Yoran à tout le monde, soyez les bienvenus en direct sur Tahitian Oui Télévision, en direct de la pointe Vénus où vous allez le voir dans à peu près moins d'une demi-heure, la plus grande course du monde de Vaha Oe de V1 va s'élancer sous vos yeux en direct sur Tahitian Oui Télévision. C'est un vrai plaisir hein, de vous avoir avec nous pour cette 31e édition du Tahito. On sera ensemble pendant quasiment les deux prochaines heures. On va faire un petit tour sur le parcours déjà dans un premier temps pour vous montrer ce départ, comment Davidson, ce départ qui va se faire à la pointe Vénus et il va y avoir deux boucles de 14 km. Tout à fait, 28 km au total, donc deux boucles du même parcours que les vétérans et les femmes ce matin. Ici donc avec un départ prévu à la pointe Vénus pour une rentrée dans la passe de Taonnet et enfin un retour sur la pointe Vénus. C'est ça pour deux tours. Ouais. Et voilà, on verra la météo juste après puisqu'on fait rapidement priorité au direct un tour à la pointe avec l'organisateur de l'événement, Oriano. Oriano Tefo, tu es avec Charlie Maitere, me semble-t-il. Voilà, je suis avec Charlie Maitere. Charlie, félicitations pour l'organisation qui prend d'année en année sacrée ampleur. On est content, mais c'est le moment le plus stressant juste avant le départ. Voilà. Mais l'édition est là et j'ai un seul souhait, c'est que le départ soit lâché à l'heure et voilà. Justement, il y a du monde là. Quelles sont les dernières recommandations pour les athlètes là? Les athlètes, il n'y a pas de ravitaillement. Il n'y a pas de zone de ravitaillement, ils partent, c'est un Aito. Et deux, faille de dos. On leur demande surtout de ne pas partir avant le départ, avant le coup d'envoi. Et de respecter les consignes qu'on leur a données quand même. Une nouveauté aussi cette année, les handisports hein, qui ont fait leur course tout à l'heure, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un test pour nous, il y a une demande, donc on leur a proposé de faire le parcours et ils sont super heureux, donc c'est à eux qu'il faut de poser la question. Maintenant. Et nos étrangers aussi qui étaient là nombreux cette année, c'était extraordinaire de voir cette course-là profiter à tous ces étrangers venus des quatre coins du monde. L'impression que j'ai eue, c'est qu'ils se sont dit, enfin je l'ai fait, fatigué mais heureux. Un petit mot de fin, avant que on sait que tu es pressé et que tu vas t'occuper de l'organisation, un petit mot de fin. Merci à tous les médias, vous et l'autre société. Hein, on va pas, tout le monde sait que c'était un DV pour l'Unisie Première. Donc merci le travail que vous faites. Il faudrait que chacun se respecte, c'est tout. Manuro Ato, merci encore pour cette interview. Voilà, vous pouvez le voir, si mon ami Gaston ne peut pas noter, vous le voyez, ça commence déjà à se remplir hein, avec notre équipe Tahitian Oui Télévision, plus d'une centaine de vagues qui sont alignées tout le long de cette plage de Mahina. Si je peux comparer cet endroit, Olivier, ce serait un peu l'enclos du taureau, comme on l'utilise, ce thème au jiu-jitsu brésilien. Les athlètes sont déjà prêts à l'affût du coup d'envoi, sont concentrés dans leur bulle, ils sont prêts au coup d'envoi, Olivier. Ouais, merci à Charlet et bien sûr voilà un petit coucou à nos confrères de Polynésie Première voilà qu'on respecte bien évidemment même s'ils nous ont piqué notre place de camion hier. On leur en veut pas, c'est pas grave et puis vraiment c'est la fête du Vaha, la fête de la culture aujourd'hui et du sport avec cette superbe plage. On a fait un point, on a vu rapidement la carte avec la météo avec un vent de 20 km/h Davidson tout à l'heure. De nord, un nord-est qui va aider quelque peu tous ces rameurs à nous donner du beau spectacle, surtout dans le surf et la descente vers la passe de Taonnet. Allez, on va rejoindre sur l'eau, sur le bateau numéro 1, notre ami André Vohi. André, Yorana, on a vécu une belle course ce matin, une belle course des Masters et cet après-midi, on va avoir un superbe combat qui nous attend. Ah, c'est le choc des titans là même. Le Tahito, comme je le rappelle, c'est vrai qu'il y a depuis l'année dernière les championnats du monde de VAHA créés par la FIV, mais le Tahito, ben, cela fait 31 années que l'on organise cette compétition et c'est devenu même eh bien, les championnats du monde marathon en individuel. Hey, salut les mouteuils, les copains qui commencent à arriver avec Tepo et tout le monde. Moi je voulais me placer là, regarde. Eh ben, comment il s'appelle mon ami Tokorangi, il ne va pas noter. Voilà les Aito qui sont dans l'enclos du taureau pour reprendre eh ben, les mots de notre copain Oriano. Et parmi, eh ben, dans cet enclos des taureaux, on voit en jaune
Je pense que Naito Koranguy l'a vu, hein, celui qui détient eh bien, le palmarès du Taito, 4 victoires d'affilée. Je veux bien sûr parler de Kevin Seron Jérusalemi. Je vois à côté de lui Hititu Ataere, à tous les champions. Hein, tous les champions en sont là. Il y a même Edwin que je vois également. On a dit qu'on ne dépasse pas la pointe, mais il y a vraiment tout le monde. Tout le monde, la majorité des champions eh bien, est placée du côté de cette pointe Vénus à l'extrême. Eh bien, pointe Vénus avec tous nos Aito qui commencent à se préparer. Tu sais bien sûr, Olivier, tu sais bien sûr, Davidson, que c'est lorsque la musique va démarrer que les Aito vont porter leur pirogue, vont courir dans l'eau et vont commencer à lancer ce fameux Tatrava. Donc on est en direct même. On est en direct pendant toute la durée de ce neck to neck et tous les copains. Les copains qui sont là, Nari, voilà les boss. Voilà les copains qui sont là pour faire la fête du Taito. Olivier, c'est un bateau de pirates, ça. Nous, on est prêts. C'est un bateau de pirates. On est prêts pour le combat. Allez, je ne sais pas si vous avez vu cette image de notre champion Kevin Seron Jérusalemi qui est sur la plage, puisque il est avec un maillot jaune. C'est le seul. Regardez cette image. Voilà, cette image est intéressante. Tous les compétiteurs ont le maillot de la compétition, le maillot bleu, et un seul a le maillot jaune, le quadruple champion en titre consécutif, Kevin Seron Jérusalemi, qui sera l'homme à abattre pour tous les autres rameurs, parce que en jaune comme ça, on va le voir. Regardez sur cette image, seul au milieu de tous, dans ce fameux enclos des taureaux, comme le disait Oriano. C'est juste impressionnant cette image. Oui, moi, Olivier, il tombe à Temeti, Farivahiaï, Teyono Tato, petit Aurumat Minuti, Farivahiaï, Teneya, Huet, Ate Aito, petit Tautin Aurumav, Auanot, E, Matheti, Toru Auru, Maho, E, Ate, E, Atupue, Atupuyaï, Teneya, Huet, Av, Aho, E, 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 ya ite an hiet e mo ho ho a to te mo ta mo tu at wa ya ora na kura ora ka hanui ina ko to wa to mari wa ma ya ha maruru hiet te tu mo nui to ta tu fari rit ait e mahana no te e ha puru rot at ya in ya ya Tino TV. Et pour compléter notre dispositif, sur le bateau numéro 2, on aura l'extrême plaisir de retrouver notre amie Ingrid Vohi, avec qui on a vibré ce matin lors de la course des femmes. On a un petit souci de son là pour l'instant avec Ingrid. On va la retrouver dans un petit instant. Je ne sais pas si son micro est complètement branché. On va la retrouver dans un petit instant. On parlait de la course des femmes et des hommes. On va revenir. Ouais, tu me montres ces images. Elles sont magnifiques sur la pointe Vénus. On va revenir sur ce qui s'est passé ce matin avec la victoire en vétéran. On va le voir sur ces images. La victoire en vétéran de Teva Le Calvi, qui a vraiment réussi une superbe course en 1h10 avec une course bien maîtrisée. Il est revenu au duel avec Rauhiri Varouahi et également Daniel Le Prado. Oui, on va le voir sur les images. Regardez cette victoire avec quasiment 100 mètres d'avance. Oui, 100 mètres d'avance pour donc sociétaire ici d'un club de Haroué, Tamari Aro, avec quasiment plus de 100 mètres même sur donc Daniel Le Prado, qui a pris les devants, la deuxième place sur Varouahi Rauhiri sur les tout derniers, derniers mètres. Il est revenu au forcing. Voilà Daniel à l'image, et juste derrière on le retrouve donc sur la troisième marche du podium, notre ami Rauhiri Varouahi. Et puis à la quatrième, il y aura Chevalier Cotignon. On va le voir après dans les tableaux, mais on va aller jusqu'à la ligne d'arrivée avec ce petit, ce petit tirage de langue, parce que 1h10 d'effort chez les masters de plus de 40 ans. Intense, et il s'est imposé. Dernière petite accélération avant de franchir la bouée pour Teva Le Calvi, qui s'est imposé brillamment. C'était ce matin sur TNTV. Regardez, les bras en l'air, il était très heureux, un petit peu surpris comme il y a quelques semaines Oeiva également. Mais il est très très en forme et il s'impose devant de nombreux champions. On va découvrir le tableau du top 5 justement de ce matin, le tableau du top 5 avec, vous allez le voir en un peu plus d'une heure 10, la victoire de Teva Le Calvi, 1h10 et 48 secondes. Voilà, il a mis pas loin de 50 secondes à Daniel Le Prado. Troisième place.
Troisième place pour Rohiri Avaruahi qui rame pour Paddling Connection. Et on retrouve à la quatrième place Hikutini Chevalier, Cheval Fou. Et cinquième, Tahé Heitara. Superbe, hein, cinquième place de Heitara qui est un master confirmé. Alors qu'on voit toujours ce maillot jaune. Alors on est, ça tombe bien parce qu'on est en plein Tour de France. Je crois que c'est la veille de l'arrivée. C'est demain, bah, semble-t-il, l'arrivée du Tour de France. Et bien là, on est dans le même esprit avec le maillot jaune. Justement, on a retrouvé Ingrid hein, qui est avec nous au bord. Ingrid qui va suivre la deuxième partie de course. André qui sera aux avant-postes. On va mixer tout ça parce qu'il y a plus de 500 rameurs, Ingrid, qui vont s'élancer. Et oui, Olivier, bonjour Davidson, bonjour Oriano et toute la Polynésie française. Restez connectés sur TNTV, la chaîne du Vaha, pour cette 31e édition du T8 Océan Live. Pour vous ce matin, vous avez eu la chance de pouvoir suivre pour la première fois la course des dames. Et c'est sûr, comme tu le disais tantôt, Olivier, Maggie Temeana et Mariana Hodges de Nouvelle-Zélande nous ont fait vibrer lors de leur combat en neck to neck. Et finalement, la victoire est revenue à notre Tahitienne Master 40 ans quand même. Ouais, et puis vous allez nous suivre en direct. Je sais que même s'il est très tard en métropole du côté de Toulouse, il y a Albert qui nous regarde. Il y a des encouragements pour Kevin, pour Stevie Boy, Steve Teixeira. On suivra également multiples vainqueurs en Taurea, également en junior et en senior. Il a gagné deux éditions. Si je me trompe pas, on va regarder ça tout de suite. Oui, il a gagné en 2009 et 2010, notre ami Steve Teixeira en Taurea, et il avait gagné en 2011 et 2012. En senior. Open Men. Voilà, on va revenir également sur la course de ce matin. Ce que je vous propose pour l'arrivée des femmes qui a duré... On va revivre dans les conditions de live, Davidson, l'arrivée de ce matin. Regardez, c'était ce matin le combat épique entre Marguerite et Hodges. Sur la plage de la Pointe Vénus, l'édition 2018 qui va se jouer dans les instants qui viennent pour le titre de championne, la plus grande course du monde en Vaha Ohé. Et pour l'instant chez les femmes, c'est Marguerite et Mariana. Oh, attention, Mariana qui revient dans les derniers moments, elle pousse. Est-ce que Maggie va résister au retour, le passage devant la bouée dans un petit instant, Davidson? Mariana Hodges pushing strong here at the last time here with Marguerite Temeana. Big fighting time with Marguerite Temeana. Olivier. Et c'est Marguerite qui s'impose, qui s'impose d'un petit mètre face à Mariana Hodges. Quel combat les amis. Ingrid, on a assisté à un moment épique pour les women. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un si bon combat. Voilà, moment épique hein, ce matin. Ce matin, c'était juste exceptionnel, cette arrivée entre Maggie, hein, qui nous a fait elle a résisté au retour de Mariana Hodges, qui a fait une course exceptionnelle également et qui est venue la chercher. Elle a résisté jusqu'au bout, elle a gardé ses 2 mètres d'avant jusqu'à la ligne d'arrivée. Et les 3-4 derniers kilomètres, elle était en chasse. Hein. Elle a serré les dents. Et elle gardait quand même le sourire malgré les difficultés à finir coûte que coûte cette compétition en tête de course avec justement Mariana Hodges plus jeune qu'elle. Hein. Il faut le rappeler quand même que notre rameuse Temeana Marguerite était une master woman. Elle était vétéran. Elle a 41 ans. Aujourd'hui, elle a su résister à cette rameuse de Nouvelle-Zélande. Allez, on va voir le tableau justement des femmes, des Open. Et également des masters, puisque c'est une master qui gagne ce matin, Marguerite Temeana, en 1h21. Juste pour vous donner la performance, Inatea avait réalisé le même parcours en 1h24 l'année dernière. Le Prado Daniel, il y a une petite erreur au niveau de la deuxième place. Ce n'est pas Daniel Le Prado, puisque c'est un homme, les mastermen. On va refaire le tableau. Et c'est bien Mariana Hodges qui fait la deuxième place pour la Nouvelle-Zélande. Et la troisième place pour Théa Lorfèvre. Désolé pour cette petite erreur. On y reviendra dans un instant. Dans moins de 15 minutes, on va assister à un combat fantastique, je pense. André, on est toujours avec toi sur cette plage. On sent que la tension monte. On voit les rameurs qui sont en train de faire des gestes d'échauffement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des rameurs à quelques minutes du coup d'envoi de la plus grosse course de l'année et de la plus grosse course du monde en Vaha Ohé?
En tous les cas, là, à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a plus de musique et ils savent que dès que la musique va reprendre, ils vont pouvoir se lancer pour pouvoir prendre le départ. Donc ils sont là, ils sont dans leur bulle, ils sont vraiment en train de regarder s'il y a un bateau devant, tous les détails sont à étudier. Et surtout, Olivier, comment ça se passe au niveau du Teito? Chaque champion vient avec sa petite équipe, son petit team, pour pouvoir le protéger au cas où il y ait quelqu'un à côté qui démarre mal. Donc, par exemple, Kevin est venu avec 5 gars à lui. À côté de lui, en t-shirt rouge, il y avait Ami Damas. Et j'ai reconnu 3-4 copains à lui qui sont là pour pouvoir démarrer fort et lui laisser surtout le champ libre pour ne pas que dès les premiers coups de rame, sa course soit terminée. C'est comme ça au Heiva ainsi qu'au Teito quand il y a beaucoup de monde que cela se passe sur le plan d'eau. Le départ est imminent. Je vais demander à Thomas de bien placer notre bateau puisque je vois carrément les Aïto se plancher, avoir les mains sur leur Iato, le Tapeara Iato, pour pouvoir porter dès que possible ce va. On va voir, j'ai vu Kevin à côté pointe, j'ai vu également Ami Damas, tous les champions sont pratiquement au bout de la pointe Vénus. Il y a également certains qui sont derrière, comme Maracay et les autres, vraiment à l'autre bout de la pointe, déjà dans la mer. Je ne sais pas si le comité a vu ça, ils sont déjà sur leur pirogue. Je vois 4 à 5 va qui sont entre guillemets en train de tricher un petit peu, puisque normalement on doit être sur le sable, Olivier. Mais c'est très important pour le départ de cette course. On rappelle que chez les hommes, le tenant du titre, c'est Kevin Serrant, Jérusalemi. Il a le dossard numéro 1. Le dossard numéro 2 sera pour Ami Damas, qui avait terminé deuxième l'an passé. Manouté Amion aura le dossard numéro 3 cette année. Comme sa place, c'est simple. Le podium de l'an passé, le trio de tête auront les dossards 1, 2 et 3 à surveiller. Le départ dans quelques instants. Vous le voyez à droite avec le plan serré et à gauche. Les images aériennes de cette pointe Vénus qui va lâcher la horde de rameurs. Pas loin de 500 rameurs vont s'élancer pour 28 km. Oye maua Olivier hirotom ateme ti fariva hie teneia tene huir ate eto aho eteia hirotom ateme ti maitata to itera hiura e pa hanrit atateie inia itreni. André, c'est parti avec toi pour le départ du Teito qui a été donné à peu près 13 minutes avant l'heure pour cette grande course, l'édition 2018, la 31e édition sous nos yeux, André. Ah là là, là c'était vraiment un départ qui a été donné par surprise avec tous les bateaux, les médias y compris, qui sont carrément devant c'est Aïto. On ne peut pas ne pas faire de vagues, même on n'était pas préparé à ce départ qui a été lancé. Nous sommes obligés de rester devant et d'attendre le bout du récif là-bas pour pouvoir nous mettre à l'abri et surtout ne pas gêner ce plan d'eau. Moi je vois Manouté Amion qui a très très bien démarré juste devant le bateau de nos confrères qui surfent un tout petit peu. Je vois également donc des Aïto comme Steve Teixotata qui sont également devant. Kevin est dans l'autre paquet et semble également s'être extirpé très très facilement de ce départ. On a tous les champions même. Tous les champions sont là devant sur pratiquement la même ligne. On verra tout à l'heure après la fameuse pointe, la pointe du récif de Marina, à qui a pris la tête de la course Myanmar. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense qu'il est bien de se positionner sur les images du drone pour voir ce magnifique départ Myanmar. Ah, magnifiques images de drone. Vous êtes en direct sur Tahiti Nui Télévision, en télé, en web. Bienvenue chez nous pour suivre la 31e édition du Teito 2018 avec un départ qui vient de donner plus de 500 rameurs. Un départ anticipé, pas loin de 13 minutes avant l'heure officielle qui était de 13h. Grosse surprise pour la plupart des rameurs et également pour les médias qui doivent s'extirper rapidement et laisser passer tous ces champions qui se sont élancés pour deux grandes boucles, Davidson. Teriama wa hore ma wa mari mato it fari war ahia wa hiti mauta mato it etaime not me a fari wa hia te e hoe a te aito a tane e aura e wa hiti mauta to te e mau feia hoe i roto i tene i te etaime tatato i tene manute a mian tatato ne eito Kevin Serrant Jerusalemi te mua roa i te etaime wa pata te e mau a i roto i tene hoe ra i te etaime te harerada tou in ei
Taïatou, non, Matavai, Hapoatou et Rato, il n'y a été un autre. Allez, on nous suit du Canada, on nous suit de Colombie et d'un peu partout. On est avec André sur ce départ exceptionnel. Voilà, je peux te dire exactement qui est devant, qui lead bien tout le paquet. C'est Reyere Tavayare de Shell à suivre de Aito comme Charles Teinouri. Il y a également le Néo-Zélandais Tupu Ria King qui est sur son à blanc. Il y a le barreur de EDT, celui qui a barré également le team de Red Bull. Je vais bien sûr parler de Hamaku, le barreur donc de EDT qui est également devant vers le bas, plus vers le bas aux côtés donc des Aito de OPT. J'ai vu Meimaro. Et Meimaro est juste à côté de notre bateau, piloté par Thomas. Je vois Hititua Taerea. À côté de lui, il y a Kevin Serranger, Luzaremi, avec déjà le neck-to-neck contre Ami Damas, le maillot jaune et le maillot rouge. Voilà ce que je peux dire actuellement avec tous ceux également qui sont contents et qui veulent faire le show. Ils sont à côté de Kevin Serran, c'est pas tout bon, on fait partie de la fête. On fait partie de la fête du Aito. Il y a Kevin derrière ce Aito-là qui porte le numéro 54 et qui sait qu'on le filme et qu'il est en direct sur Tahiti Nui Télévision. Je continue puisque je reconnais également eh bien, tout est Ari Hoatua. Je vois également des champions comme Toanui. Toanui, c'est un chouchou également que l'on aime bien. Là, il y a Ami Damas, Toanui et puis bien sûr notre Aito maillot jaune. Qui est Kevin Serran, Jérusalem, Hiromana, Hiromana Flores. Mema est un peu en retrait avec sa feuille de couleur mauve. Voilà ce qui se passe actuellement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bateaux devant puisqu'on a tous été surpris par eh bien, ce départ fulgurant. Et bien sûr, actuellement, c'est le Aito Reyere Tavayari de Shell A qui semble mener la course devant des Aito comme Hamaku, Olivier et Davidson. Ouais, il y a eu un départ anticipé d'à peu près 13 minutes, hein, 12h47 à notre montre hein, ce départ. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je sais que notamment l'équipe des Tikitoa avec Imanu Tayaroui de nous suivre de Suisse. Ils sont en préparation les Tikitoa pour la saison qui vient. Et ben, on leur fait des gros bisous à nos Tikitoa puisque ce sont des fervents supporters du VAA également et de nos champions. On voit le maillot jaune avec notre ami Kevin Sigi, juste à côté, le maillot rouge c'est le numéro 2 de l'an passé, c'est Ami Damas qu'il faudra surveiller, mais voilà, il va falloir attendre bien sûr une quinzaine de minutes que ça se décante. On va aller rejoindre également notre ami Ingrid qui est un petit peu plus dans cette deuxième partie de course avec vraiment énormément de rameurs. Ingrid. Et oui, énormément de rameurs aujourd'hui, ils sont partis comme de véritables boulets de canon, surtout avec ce départ anticipé. Donc André vous a donné la tête de course. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se faufiler au milieu de ces rameurs pour pouvoir parler davantage de ceux qui sont en retrait. Déjà en face de nous, on voit un rameur qui a chaviré. Mais non, vous voyez, c'est assez difficile parce qu'il y a des rameurs qui ne sont pas dans la course, qui viennent s'intégrer donc à cette compétition. Donc pas de panique, il s'agit juste d'un, on va dire, d'un rameur de passage. Mais moi, celui que j'ai pu repérer dans cette course, il s'agit de David Tepava, le fameux barreur de Shell Baha, juste en face de nous, avec son Baha rouge, jaune, vert. Donc, il fait une belle remontée sur la tête de la course, puisqu'il a déjà réussi à grappiller plus de 10 places. Ouais, Tepava, hein, grand vainqueur, grand barreur lors de, des différentes victoires de Shell à Molokai, notamment. Molokai que vous retrouverez en direct sur Tahiti Nui Télévision dès le mois d'octobre, on le voit justement à l'image, Davidson. Oui, il y a un David Tepava Tatato était Allez, André, on va retourner à l'avant-poste avec toi, avec toujours de nombreux Aito, mais ça va se décanter petit à petit. Tout à fait. Donc, vous voyez sur leur coup de rame qui commence à entrer dans le surf, dans le fameux Fahe du Taito. Vous savez également qu'il y a deux tours de circuit à effectuer, l'équivalent
Néanmoins, on va jouer de la deuxième étape du Hawaii Kinui, un peu plus de 26 km. Donc pour ce Eiton, on va jouer Kevin Serron à Jérusalem. Actuellement, on connaît sa stratégie. Il revient tout doucement à l'heure actuelle. Avant, on parlait de Manute Aouen comme le champion, le surfeur. Là, c'est plutôt Kevin Serron Jérusalem. C'est plutôt ce nom-là. Regardez l'aisance de ce Eiton dans le surf. Il n'est même pas en train d'attaquer, mais il va plus vite que les autres. Regardez bien ces images. Sinari Tokorangi pouvait faire un gros plan. Regardez comment ce Eiton, il anticipe. En même temps, il met en place son camelback. Regardez la maîtrise. Devant, il y a déjà Amidamas. Amidamas, rappelez-vous, l'année dernière, Amidamas, c'était celui qui avait challengé eh bien, Kevin Serron à Jérusalem. Il est déjà à troisième, juste à côté donc, des Eiton comme Reihere. On voit quand même une pirogue rouge. C'est Steve Teshotata. Néma, Steve Teshotata de se placer. Stevie Boy est là, Néma. Manute Amillon, on le reconnaît. Il y a des Eiton plus vers le bas. On dirait que c'est notre Eiton Sly. Sly, Lissao est également dans la partie. Néma, la crème des champions est là, rien que pour vous, pour ce Eiton. Et en plus, on est en live sur TNTV, pas besoin de papier, Néma. On les reconnaît. Si on ne voit pas leur visage, on reconnaît leur coup de rame. On réfléchit par rapport à la stratégie et on met des noms sur ces visages. Maruru Miyama, bienvenue sur Tahiti Nuit Télévision. Les Vohis sont à fond là. Allez André, on a encore une bonne heure 50 de course hein, me semble-t-il, puisque l'an passé 1h51 pour Kevin. Il faudra essayer de voir où est Revy Tongsing hein, qui est aussi l'un des prétendants au top 5. On voit tous ses concurrents avec à l'image le concurrent 95. Il s'agit de Théo Hitchner me semble-t-il. On est avec toi Ingrid. Hitchner, donc sociétaire de EDT Vaha sur sa pirogue à poids que l'on connaît très bien. Donc Théo Hitchner qui a ramé avec cette équipe sur les plus grandes compétitions organisées en Polynésie et dans le monde également. Donc Théo Hitchner qui remonte petit à petit, qui fait sa course tranquillement, profitant du petit surf pour rattraper la tête de course. Je vais dire qu'à ce niveau-là, nous sommes dans le top 30. La tête de course, on distingue toujours au loin le maillot jaune de Kevin Serron Jérusalemi, mais petit à petit vous voyez donc que Théo profite magnifiquement du surf. Ce sont des rameurs affûtés qui profitent aujourd'hui de ce Théo. Et comme tu le disais, les Vahas sont dispersés hein, sur l'océan pour l'instant, et petit à petit ils vont se rejoindre vers le récif donc de Haroué juste avant l'entrée dans la baie de Taoné. Ouais, belle pirogue à poids en tout cas, facilement reconnaissable. Et vous le voyez, hein, on est avec Oriano sur la plage. Il y a eu de la casse aussi au départ, Oriano. Hein. Et non, on retrouvera Oriano tout à l'heure. Oui, on a vu hein, ces VA qui ont eu, quand il y en a 500 qui partent comme ça, c'est assez difficile. Et on rejoint André en tête de course avec ses images et toujours le maillot jaune, facilement reconnaissable, de Kevin Seji. Il a déjà 4 victoires à son actif. Et on va voir si le champion du monde de 500 mètres va aller chercher une cinquième, André. Néma, c'est plutôt Steve de Teshotata qui a faim lors de ce Tatra. Ah, il est devant Steve Teshotata sur son va de couleur orange. Là devant avec peut-être déjà 30 mètres d'avance sur Ami Damas. Stevie Boy veut montrer qu'il est au rendez-vous. Je vous dis également, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'a pas fait les championnats du monde. Il y a certains Eiton qui n'ont pas fait les championnats du monde. Donc ils ont 10 jours de plus de récupération que les Eiton qui se sont donnés à cœur joie sur le plan d'eau du Taoné. Je rappelle que Stevie Boy s'est préservé. Là, Néma, il y a bientôt le combat. Bientôt le combat entre Steve Teshotata et bien sûr Amidamas. Regardez le coup de rame. Steve accélère. Steve veut surfer. C'est son point fort, c'est-à-dire le surf, alors que derrière, il essaye de temporiser. Donc Amidamas, je vais vous donner un classement. Un classement actuellement de ce combat. Steve Teshotata devant.
deuxième Tupuria King qui est plus vers le bas, troisième Amidamas, quatrième Hititua Taerea, cinquième on a des Aito comme Reihere, sixième Manutea Mion et septième actuellement Kevin Serran Jérusalem qui s'est rapproché des vagues de bateau. Je peux continuer, Miama. Il y a juste derrière Kevin Serran Jérusalem, il y a Léon Amatei qui commence également à surfer les vagues pour essayer de revenir sur les Aito devant. Ici, Steve Teicho Tata Miama en grande forme aujourd'hui. Il disait qu'il n'avait pas vraiment brillé. Il n'avait pas vraiment brillé lors des courses de l'année. Mais maintenant, avec ce Tatra à la fulgurant, il montre à tous ses adversaires de cette année eh bien, qu'il est au rendez-vous surf actuellement de Steve Teicho Tata sur sa couleur, sur son A de couleur rouge, orange, les amis. Ouais, superbe départ, on voit sur ces images aériennes l'éclatement complet au niveau des caps. Hein. Alors, il n'y a pas vraiment de cap, mais il y a quand même, on va dire, un départ qui est pris. Il y a bien 250 mètres de largeur, hein, Davidson, sur ce départ pour rejoindre le long du reef. Exactement. Si on peut parler de cap justement parce qu'on va chercher, les rameurs vont chercher à avoir le plus de facilité possible pour descendre. Lorsqu'on descend beaucoup plus de la barrière récifale, on a moins de vagues. C'est vrai, on a plus de vagues de côté, mais il faut être très très bon surfeur. Il faut savoir prendre ces vagues de côté et s'abriter. En fait, lorsqu'ils prennent ce cap-là, ils s'abritent du courant parce que vous voyez là à l'image, il y a un courant contraire qui vient quelque peu gêner, mais il faut juste savoir ramer avec ce courant contraire lorsqu'on est beaucoup plus au large, ici au large de Haroué. Oui, on est avec Ingrid et me semble-t-il Charles Taillé. Ingrid. Oui, c'est ça. Nous avons Popeye, encore un autre sociétaire, enfin ancien sociétaire de EDT qui me semble est passé cette année à Air Tahiti, qui surfe également très bien ses vagues sur l'allée. Hein. On va rappeler donc sur ce tronçon aller jusqu'à la balise de Taone, il y a un bon surf. Et bien, les garçons auront à affronter une remontée sur le retour. Et je rappelle qu'il y a quand même deux tours à effectuer. Donc on peut dire qu'il s'éclate pour l'instant. Popeye a réussi à rejoindre Rooma Buari, le fils de notre président de la Fédération Tahitienne de Va'a, Dito et de Tutu. Rooma qui est un très bon barreur également puisqu'il a barré très longtemps l'équipe junior de Mo'ua Tamaiti, nos papara, il y a quelques années. Ils avaient remporté toutes les plus grandes courses en junior et étaient même parvenus à faire bien du mal aux équipes seniors. Donc Rooma Buari sur son Va'a blanc et rouge. Allez, on va rester également aux avant de la course avec André. André, qu'est-ce qui se passe devant ? Il y a le combat, le choc de titan avec Steve Teicho Tata qui s'est fait un peu rattraper tout à l'heure par des Aito comme Amidamas et Hititua Taerea. Pendant un certain moment, ils étaient carrément en train de surfer la même vague pour pouvoir essayer de devancer l'autre, en tous les cas, ce jeu, comme je le disais tout à l'heure, puisque Steve a vraiment une réputation de surfeur. Steve a mieux négocié certaines vagues, mais on voit le retour de Amidamas alors que Steve Teicho Tata accélère encore pour prendre le creux des vagues. Voilà, on voit un Stevie Boy, Miama, un Stevie Boy vraiment en forme avec... Regardez bien ce tarot, cette rame de côté, Amidamas également qui réagit. Il y a du combat dans le surf, même si au total on doit faire deux tours de circuit. Moi, j'utilise ma caméra pour pouvoir regarder Tupuria maintenant. Et troisième, on demande à Thomas. Thomas, remonte un petit peu parce que Steve, je pense, veut changer de cap. Je m'adresse bien sûr à mon pilote car c'est lui qui nous place. Et Steve m'a apprécié. On est au milieu donc de ce neck to neck. Et Steve qui continue avec sa marque Tehuritawa d'accélérer, de prendre les creux de ces vagues-là pour pouvoir se reposer et ensuite attaquer à nouveau. Voilà Davidson et Amidamas qui revient encore et que Steve reprend en fait son tatrama pour essayer de surfer. Yama, je suis aux premières loges, je pense que vous avez remarqué. Maruru, à vous. Oui, moi, André, moi,
te mau aito mai a Hamaku rehere tawer eight wet ora o Kevin Serangeres Jerusalemi e re tora to it me atearoa tra te aito petit tawatini hauru ma au ite mateti e a hiono ana o ap etia ma Steve te taime. Ah, on a vu hein, ces sessions de surf et il décolle carrément le hama. Il est en équilibre sans même utiliser le hama. Un équilibre du bassin juste exceptionnel. La maîtrise de la pirogue de Stevie Boy est juste impressionnante sur ces images. On est un peu plus de 17 minutes de course avec en tête pour l'instant Steve Teixeira, Amidamas. On a Tupuria King qui n'est pas loin. Le premier international, le premier néo-zélandais. Kevin Silji qui est également dans le top 5. Voilà pour ces champions. Ils en ont encore pour pas loin d'une heure 40 de course. André, on est toujours avec toi avec une belle démonstration de Steve. Maintenant, il va falloir tenir la cadence, surtout dans la partie où il n'y aura pas de vague après la passe du Taonais, André. Et oui, nous, on sent Steve Teixeira très à l'aise. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le départ, on avait l'impression que les Aito avaient calmer leur coup de rame. Je sais que Davidson avait remarqué. C'est parti vite, mais tout de suite après, on a commencé à marquer les uns et les autres en attendant de tomber dans le surf. Et là, ils ont commencé à accélérer. C'est Steve là actuellement. Steve actuellement qui veut prendre de l'avance et qui est très à l'aise. Cela se voit même. On est carrément à côté de ce Aito. Regardez, regardez son coup de rame. On appelle ça le posé. Le posé, pom. Là, il accélère parce qu'il voit le creux. Et là, pom, il va... Une fois qu'il sera dans le creux, il va accompagner la vitesse de sa pirogue. Maintenant, il veut accélérer. Là, il est tombé. Et il veut encore le creux qui est devant pour pouvoir en prendre un peu plus d'avance. Cela est signe de grande forme pour ce Aito qui s'est bien préparé, même. Il s'est bien préparé pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, même si on est à peine au début de la course. Je vais vous donner d'autres informations par rapport au pirogue derrière. Il y a bien sûr Amidamas, il y a Hititua. Il y a également, je vais le remarquer parce qu'il a changé de pirogue, le fameux Hotu Iterei pour eux. Il y a également le frère de Kevin, le frère pardon, de Steve Teixeira qui est Kevin Quider qui est sur son VA rouge. Voici à peu près les cinq premiers VA alors que Steve passe devant nous. Nous, Tupuria est le seul à avoir choisi le cap plus vers le bas alors que Steve, lui, on sait ce qu'il veut faire. Il veut chercher la houle. La houle qui est un peu plus forte bien sûr vers le haut des falaises du Tahara puisqu'il y a ce vent est. On sait qu'il nous entend, on lui souhaite un fight tôt à ce Stevie Boy là qui depuis cette année essaye de revenir au top niveau et aujourd'hui il vient de montrer qu'il est devant et qu'il peut prétendre donc au titre de Aito. On voit la passe du Taonais qui se profile à l'horizon. On voit également Stevie Boy qui regarde un petit peu vers les vagues de bateau. Myama, il faut être technicien, il faut être technicien lors du Taito, il faut savoir anticiper toutes les vagues et placer sa pirogue pour ne pas se faire rattraper. C'est ce que, eh bien Steve, regardez ce que Steve est en train de faire. André, il ne va pas vers les bateaux, ce sont les vagues de bateaux qui viennent vers lui. Oui, 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 on a déjà basculé un petit peu sur l'autre caméra, on fait un petit tour également à l'arrière de la course avec Ingrid. Ingrid, on est avec toi. Oui, après la tête de course, donc nous avons en sixième position approximativement Manu Tiamian, coude à coude avec Tuteari Hoatua sur sa pirogue noire. Mais juste en face de nous, on va dire environ à la 12e place, nous avons bien sûr Léon Haamateidi, Haamaku. André en parlait déjà au début de cette course. Il s'agit du barreur de EDTVA, du barreur également de Red Bull. Donc voilà Léon Haamateidi qui a fait profiter de son expérience, qui a partagé son expérience avec les Hawaïens et aujourd'hui on le retrouve donc sur ce Taito, on va dire aux alentours de la 12e place. Dans le top 15, hein, le Dossard 161, Léon Haamateidi Davidson. Oui, moi, Olivia, il y a été à Hourou Haritouet, Hourou Mapa, et Aito, Léon Hamat, et Hamakou, nous parlons hier, et Armeye, et Tayatou, moi, Aito, moi, il y a Kevin Timour, il y a Léon Hamat, et il est humé à Mouri, moi, Aito, et moi. André? Ouais, là, on est à côté maintenant de Hotou Iterei, pour eux, on va dire. Sixième actuellement dans le paquet de tête juste avant de virer à la hauteur du Taonais. On n'avait pas vraiment reconnu ce Aito puisqu'il avait changé
de pirogues et de constructeurs. Là, il est sur son va de couleur gris. Je remercie tous ceux qui sont sur mon bateau, qui essaient également de m'aider par rapport aux commentaires. Donc, sixième place à l'heure actuelle pour au Twitter et pour eux qui surfent. Et on est content de le revoir au plus haut niveau parce qu'à un moment donné, il avait un petit peu lâché. Là, il est sur la tête de la course avec les plus grands champions et le joint. En fait, Hititua Taerea ainsi que Kevin Serran Jérusalemi juste derrière au Twitter et pour dire qu'il est bien placé. On voit Manute Amion, il y a Kevin Quider, il y a même Lissao également de Shelva qui essaye de tirer son épingle du jeu. Là, il y a le surf. Après, c'est la remontée, pardon, un peu moins de surf que ce matin, Olivier Davidson. Oya maua maruru maruru met eia andre not e maua por ir ata oe o mai tata tu itera e et e mo ho a o a ho tu iter ai por ite ie e ho nei in e et ene a apitana wa mato no ia tata oe andre ten ie e ona itereira itereira a tonton no e tata to e matro met ene iru te para o te hoer awa te hamani te tata i hamani te fai i roto i te para o te hamani ir a i unei teiti nei a ho tu iter ai a te hoene i eia e te a timi te emhana e ua puwai puwai me tēnei tau rea rea tā tātou inha te roto o iei an ir a o nā pā pā tātā hoi puwai roa e mai tā uite rā te weat ora pā o mea o tāroa dubua e roti an ir ai mua e Andre Oia mou te weat ora o tāroa ma te pā tātair i rātou a te ye hoa ia o hiti tua ta ere a mai tau ei i te atura te rea toa rai rawe rei mō poti te mau hoa te ye o David Ma maruru mai tei a te ye apene i tata tohu era o Kevin te veira o hiti tua te veira o hotu i te rei i muaroa te veira o Steve te shot ata muri mai o Ami Damas te ye te aneira a matamu e muriri mai te nene tato te yo i te tiar a hitu e hare tuai te vei nei hoa iau tārua dupua te vei nei o tutear i hoa tua te vei nei o Kevin Quider te vei nei o Mantea Amio te vei nei o Hiro Mana Flores te vei nei o Sly me ma o i te paurua matou o vei te mou aito o muaroa ta matou ia o hipai te mana a fai a otou i roto i te ie hoer a e te fofa peruri parhei no otou na matou e rawe te ohipa Maruru mai te ia Andre hei no tato ia Ingrid re te teime te ia Tarua Dubois. Oui, Davidson, effectivement. Il a même travaillé pour moi, vu que tout a été dit. En effet, on avait juste devant nous Taharoa Dubois sur son va à bleu et jaune fluo. Taharoa qui avait déjà remporté une course en V1, celle de RTT, qui avait donc marqué son grand retour dans la compétition cette année. On voit Taharoa donc encore une fois se débrouiller comme il faut donc dans le surf. Et comme ça a été dit, c'est vrai que la houle a baissé, mais ça cela permet quand même aux rameurs aujourd'hui de profiter avant de s'attaquer, on va dire, à la remontée qui les attend une fois arrivés dans la baie de Taone. Et donc Taharoa, on va dire qu'il est environ à la 10e, 11e place et dans le top 15. On rappelle que Taharoa Dubois a remporté deux fois le Teito Taurea chez les juniors. C'était en 2007 et 2008. Voilà, champion qu'on voit actuellement à l'image. Ils sont toujours dans la première boucle, on vous le rappelle, après 25 minutes de course. On est sur deux boucles de 14, 28 km au total pour tous ces Aito en moins de 2 heures. Avec, voilà, vous le voyez, 24 km deux fois. Oh. Allez, on retrouve André. Hey, Ami Damas vient de chavirer, Olivier, là, en tête de course. Il est déjà remonté sur sa pirogue. Il était deuxième, donc il a chaviré juste en fait derrière les bateaux, puisque là, on arrive vers le virage et tout le monde essaye de se placer. Il a chaviré, je pense qu'il a mal négocié une vague. Cela donne une bonne longueur d'avance à Steve Teixotata. Steve Teixotata qui accélère, puisqu'on est en train de se placer. De se placer à la hauteur donc de la balise rouge du Taone. On dirait le plan d'eau des Marquises, Myama. On dirait le plan d'eau des Marquises avec la houle qui vient dans tous les
connaissance. Et ce Stevie Boy magnifique aujourd'hui. Stevie Boy qui doutait un petit peu de lui durant donc le début de saison. Il me disait, Evohi, c'est bien de se prendre des baffes de temps en temps, ça réveille. Et donc là, il est réveillé, Mama. Il m'avait donné cette interview-là lorsque j'étais à Bora Bora pour la Tali Fit Race de mon ami Joram, où le jeune Tianavei Pahuiri était passé devant lui, où Kevin Serran Jérusalemi l'avait passé également dans la remontée. Il m'a dit ça, et aujourd'hui, regardez ce que ça a fait lorsqu'un champion est réveillé, lorsqu'un champion a retrouvé son second souffle, même si Mama, ce n'est que le premier tour, mais on sent, regardez quand on est devant, on sent le mana qui revient pour pouvoir bien surfer cette houle des marquises. Steve qui va virer là juste devant nous, eh bien au virage à la hauteur de la parole. Oh, attention, il a failli taper sur la balise, mais regardez même, on dirait il a un moteur, et puis il suffit de dire droite ou gauche et ça passe. Là derrière, Ami Damas, je sens qu'il a plein d'eau, Ami Damas, dans sa pirogue. Regardez, il a un peu de mal à faire tomber l'avant de sa pirogue. Et derrière, Kevin Selangelizaremi, le technicien Hawaïa. Pas besoin de vous dire comment il réfléchit ce gars-là lorsqu'il est dans une course. En tous les cas, voici les trois Aito à entrer au début, donc avant tout le monde, dans la baie du Taone. On continue. On continue avec Otu Iter et Poreuil qui vire également. Oui, ouais, tu nous fais justement à la bouée, tu nous fais un listing du classement pour l'instant avec Steve Teixeira en premier, puis on attend les 10 premiers avec toi, André. On est obligé, Olivier, tu m'écoutes, tu m'entends, Olivier? Vas-y. Olivier, est-ce que tu m'entends? Eh bien, comme on est obligé d'aller dans le chenal, c'est pour ça que je voulais te donner maintenant. Donc, on ne peut pas par rapport à la configuration de la course. Ok, André, eh bien, c'est restez, bon. On est obligé de c'est partir. Compris. On est parti. Ok. À tout de suite. Allez, c'est vrai qu'André, vous allez voir avec son bateau, doit être le premier à passer le chenal pour éviter de faire des vagues avec son bateau. On va rester avec Ingrid qui est avec nous toujours dans le top 20. Ingrid, alors qu'on a vu Stevie Boy passer en tête la première bouée, on fera un point complet. Alors, vous le voyez, il continue à surfer sur ces vagues. On est un peu en contre-jour sur ce plan puisque ce sont nos caméras qui sont placées. On voit le bateau d'André qui passe avec la perspective un petit peu plus loin devant pour aller dans le chenal. Ingrid, on est avec toi. Oui, on a laissé partir donc le groupe de tête. Là, juste en face de nous, nous avons le junior qui est à nous, Bernardino, sur son va-a rouge, Faye va-a, donc qui essaie de revenir sur la tête de course. Un junior qui a déjà ramé hier et même pendant les championnats du monde. Et ensuite, sur le va-a gris, juste derrière lui, on reconnaît notre ami Maracay. Voilà donc les quelques noms que je peux vous citer pour l'instant. En tous les cas, ils arrivent tous en file indienne puisque Cap se rejoignent tous ici à la balise rouge de la baie de Taaone. Le contour de cette balise par la droite est obligatoire. À savoir s'il y aura des contrôles et des pénalités, ça ce sera à voir avec le comité. Mais pour l'instant, pas de casse, pas de chavirage. Et le contournement se fait comme il faut. Ouais, on va rester encore quelques minutes avec toi, Ingrid, pour on va dire ce contournement de la balise. On est dans la baie de Taone maintenant, là où se sont passés pendant près de 8 jours les championnats du monde de va-a. On peut le rappeler, la grande victoire de Tahiti avec 51 médailles d'or, c'était il y a quelques jours en direct sur TNTV. Oyamau Olivier no fa manora etato no tino meira te mo tata au te au nei e pa hur maho e fiti a piru e i roa mai i te whenua nei a teiti nei te o tō mua roa i eiru tuit an ira a te mau whenua i roto ia i te hoer a tataur a hoer a viti viti o te ao nei te teime hara tatou ni eit ene mau a hoho a te ia ke anu Bernardino te weira o Stanley Marakai te e te roto i te an ira o te mau whea hoer André, hari tuet huru mapa hai tato ya Andrea e mua i te ene hoena. Oui les amis, oui. Est-ce que vous m'entendez? Te aoera André. Ante ite te me mama.
te roto ya mato uite ye ya areni te vene te mohoa te tira te mohoa to atio air. Donc on est dans le chenal en fameux pointe des sapins avec tous les copains qui sont là et qui attendent bien sûr les Aito toujours Stevie Boy devant, on a vu devant nos yeux Myanmar, devant nos caméras, je sais pas si vous étiez avec nous sur ou plutôt sur le drone, mais Ami Damas avait mal négocié une vague à chavirer, mais ça a duré vraiment une fraction de seconde. Il est remonté sur sa pirogue, il n'a même pas écopé et il a continué le combat. Je pense qu'actuellement, dans le lagon, il est en train d'écoper. Il est toujours en combat pour les trois premières places. Nous, actuellement, on est loin de ce combat. On est en train de se placer à l'extérieur de ce chenal, entre la baie du Taoné et le Motu de Haroué. On attend que les Aito passent, mais apparemment, toujours Steve Teixeira devant avec sa pirogue orange marque Tehuri Tawa. Ouais, superbes images là qu'on voit actuellement, superbes images, et vous le voyez, hein, ils ont tous un camelback. Quelle accélération sur ce superbe plan. On voit Stevie Boy en pleine action. Dans le Houthi, hein, Houthi Pari, un coup de rame un peu plus long mais très très appuyé. On voit bien la forme de notre ami Stevie Boy ici qui mène les débats de façon assez aisée et qui passe donc devant cette pointe des sapins de notre ami André qui est dans l'entonnoir et va commencer à rentrer dans le lagon de Haroué et longer justement ce gros pâté de corail qu'on appelle en tahitien Toaroa ici à Haroué. Ah, vous pouvez voir sur ces images magnifique de tous ces rameurs, ces 500 rameurs qui sont dans la baie de Taoné, Ingrid. Oui, Davidson, effectivement, donc on les voit toujours passer donc cette balise rouge de Taoné. Il y a quand même 500 rameurs, donc cela prend un peu de temps. Les champions sont déjà loin devant. J'ai vu également passer dans ce paquet donc les frères Mague, les nouveaux, les rameurs de Nouvelle-Calédonie, surtout Albert Mague qui a réalisé l'exploit hier de terminer quand même sur le podium de la catégorie des juniors et aujourd'hui donc qui remet ça avec 28 km. Il y a également ses deux frères, Paul et Herman. Ouais, superbes images en tout cas, Ingrid, ces rameurs qui en sont seulement à 30 minutes de course. Il en reste quasiment une heure et demie hein, pour tous ces rameurs. Les premiers seront en dessous de deux heures. Mais des conditions aujourd'hui optimales, on peut le dire. Un petit vent d'une vingtaine de kilomètres heure, un petit peu de houle à l'extérieur, sans trop, et un beau soleil pour profiter de cette vue exceptionnelle. On voit ce lagon de Tahiti. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en direct sur Tahiti Inoue Télévision pour, allez, on peut le dire, la plus grande et la plus belle course du monde en Vaahoe. On a la Vaiki Nui également en V6. Et sur le Vaahoe, le Tahito fait loi depuis une trentaine d'années aujourd'hui, créé en 1988 avec pas loin de 80 rameurs, 88 je crois pour la première édition. On est arrivé à 1200 sur 3 jours de compétition et plus de 500 dans l'épreuve reine qui est menée en ce moment par Steve Teixeira Ata. Et énorme, énorme que de voir autant de rameurs venir s'investir dans cette course qui, on peut le dire aujourd'hui, est devenue le championnat du monde du Vaahoe ici du côté de Tahiti. On va demander Davidson à André de nous faire un point. Elles vont passer devant toi André, on va bien noter le top 10 de ces rameurs puisqu'on va être bientôt au tiers de course, voir que tu nous confirmes que Steve Teixeira mène la danse devant Kevin et Ami Damas. André. Oui, tout à fait. Donc, Steve Teixeira toujours devant avec une petite longueur d'avance sur Kevin. On va dire à 20 mètres, Steve qui passe actuellement juste devant notre bateau, Kevin à 20 mètres derrière qui jette un coup d'œil et Ami Damas qui colle au train de Kevin Seron Jérusalem. Voilà le trio de tête avec bien sûr de supporters. Il y a quatrième place pour Hotuiterei pour eux. Hotuiterei pour eux, Myanmar qui fait son grand retour aujourd'hui. Il y a même la famille pour eux qui est là. Il y a Tava pour eux également que j'ai vu. Il y a Rocky pour eux. Donc Hotuiterei pour eux. Quatrième actuellement dans cette remontée. Il y a cinquième actuellement. Du petit village de Tautira, Olivier.
André, on va te demander de te déplacer parce que c'est pareil que ce matin, cet endroit-là, on a quelques soucis de son. On va te demander de bouger à peu près de 100 à 200 mètres un peu plus à l'avant pour te récupérer. Mais vous le voyez, regardez sur ces images aériennes, ça s'est resserré à l'avant avec la pirogue rouge en bas de votre écran. Et c'est bien Steve Teixeira, Stevie Boy, qui a vraiment performé dans les vagues. Mais on voit que sur le plat, il y a le retour de Kevin Serrant, Jérusalemi, et de Hamid Albas qui viennent recoller, Davidson. Oyama Olivier, il est tout en ligne. Ahor a atmautane muarua teye eto Steve tehiot atawo. Hoy maira teye eto tatato. O Kevin Serrant Jérusalem il y a été tier à petit tier à tourou. Na teye ya eto no shelva atwa o ami Damas Harimeye. Il y a été tier amha teye eto por eu. Hotu ite ei. Tu vas fit ite na mato. Mais où a été à retweeter aya pour œil et il a été tiené à hoer à imoihuara. Ouais, magnifique, hein, superbes images de ce chenal. On vous le rappelle, on vous l'a montré tout à l'heure, hein, le point de la course, on vous en refera un petit peu sur la carte pour vous vous rendiez compte, mais énormément de rameurs sont tout juste en train de rentrer ici dans la passe du Taonnet, ce qui montre les écarts entre la tête de course et les 500 autres rameurs. Exactement, il faut juste s'extirper hein, maintenant, pas trop rester non plus ici dans le paquet, essayer de se dégager. Vous pouvez le voir à l'image sur la gauche, hein, dans cette double fenêtre, un rameur, on ne sait pas d'où il vient exactement, qui a eu apparemment quelques petits soucis de santé. Ouais, et puis on est voilà, on c'est l'occasion hein, de féliciter avec Oriano tous les services de sécurité, les secouristes qui sont là pour s'occuper de tous les rameurs, Oriano. Voilà, un petit coup de chaud, Olivier, vous avez pu le voir, là, les secouristes qui avaient ramené un rameur qui s'était blessé. Bon, apparemment, rien de grave pour l'instant, mais pour l'instant, on va rester à côté d'eux pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, on lui a mis un sac de glaçons pour le rafraîchir un petit peu. On remercie bien sûr nos secouristes qui font du super travail ici, sur cette plage et sur le plan d'eau de Taoni et Marina. Ouais, merci Oriano, on reste à l'écoute hein, dès qu'il y a d'informations primordiales. On va retrouver tout de suite notre ami, alors je pense qu'Ingrid est en plein chenal, à fond les manettes justement, en train de remonter sur tous ces va. Nous on est toujours avec l'avant de cette course, avec Steve Teixeira qui mène la danse devant Kevin Serrant, Jérusalemi et Hamid Abbas. L'entrée de la passe du Taonnet, eh ben oui, il y a plus de 500 rameurs, donc ça va durer quasiment 20 minutes hein, cette entrée de passe pour faire passer tout le monde, et je crois même que certains rameurs en fin de course se feront rejoindre par les premiers dans cette boucle. Ça arrive très très souvent lorsque les premiers entament la deuxième boucle, ils arrivent quasiment à revenir en toute fin de course sur les derniers rameurs engagés dans cette course. On peut voir ça, c'est juste magnifique de voir autant de rameurs s'engager ici dans ce Teito 2018, 31e du nom. Ouais, et puis on voulait vous remercier parce que vous êtes très nombreux à nous suivre, alors en télé, mais sur le web, ça se comptabilise. Hein, vous êtes pas loin d'être 500, 450 à peu près à nous suivre en live sur Facebook. On vous remercie un peu partout à travers le monde. Hein, on voit tous vos commentaires. Donc un grand merci pour le soutien que vous apportez à tous ces champions, à tous ces rameurs. Allez, on est regardé sur ces images. Hein, tous les spectateurs également avec leur bateau qui viennent encourager, soutenir justement leurs rameurs dans cette catégorie des Open Men. On le rappelle, on est sur 24 km. André, tu es toujours avec nous, je pense, en tête de la course. C'est ça, donc on s'est placé, c'est bon, je pense qu'ici la réception est meilleure. On était bien sûr dans l'entonnoir là-bas, je me rappelle ce matin on a eu des petits soucis, donc j'ai lâché la course, je m'étais arrêté je pense à la quatrième place qui était Hotu Iterei pour eux. Ensuite on a vu passer Hititouata Erea juste derrière, il y avait des Eto comme Tupuria King, le premier donc étranger à pointer le bout de son va dans le top 10 juste derrière lui. Et il y avait des Eto comme Rei Heret Aveari de Shell Va'a, il y a des Eito comme Manutea Mion, attention à Manutea Mion qui revient tout doucement. Et le dernier que j'ai pu reconnaître juste avant eh bien, de lâcher la course, c'était Tutiar Ihoatua, lui aussi du petit village de Tautira. Là on attend, on est pratiquement avec tous les médias ici à la sortie de ce chenal. On appelle ce chenal, je peux vous donner des noms puisque j'habite par ici, le chenal du Toaroa, le Toapoto, c'est là où il y a le motu de Arwe. Steve a une petite
petite longueur d'avance sur le Aito Kevin Serrant Jérusalemi, à peine peut-être 4 à 5 mètres voire 6 mètres de retard pour Kevin Serrant Jérusalemi, et lui il est talonné toujours de très près par Amida Mas maillot jaune, maillot rouge. Et puis aujourd'hui bien sûr l'extraterrestre, ce sera Steve Teichot à ta première boucle, bientôt la remontée. Là on est dans le calme stratégiquement parlant, le départ c'était le surf, vous avez vu les Aito surfer, choisir leur cap, pointer sur soit le récif de Haroué, soit plus vers Mouré, ensuite revenir sur la balise de Taoné. Maintenant on va dire que c'est la petite remontée dans le calme, et dès la sortie de la passe de Haroué, on appelle ça la passe du tombeau du roi, eh bien ils vont commencer à être frappés de plein fouet par cette houle de face et ce vent d'est qui commence à forcir, mais un peu moins fort quand même que ce matin. Je crois que notre Aito Anar Itokorangi, qui est mon cadreur, a dans son viseur maintenant les premiers. Ah, oui, cela va vérifier en fait ce que je vous ai dit à l'instant. Eh bien, Steve Teichot Ata de EDTVA. Steve Teichot Ata toujours devant, mais inquiété de très près par le Aito Kevin Serrant Jérusalemi, un fin technicien. On le connaît très très bien. À vous donc, Davidson. Olivier. Et on parlait de Steve Teichot Ata qui a une grande histoire avec le Taito. Il a remporté 4 titres du Taito, 2 en junior en 2009, 2010 et 2011-2012 en open. Il les a fait 4 d'affilée, ces courses du Taito, 2 dans la catégorie Taorea et 2 en open. Et voilà, c'est son grand retour aujourd'hui. C'est une belle surprise de le voir. Oya mau an Olivier Hirto e ne India te ne ia mau ho at e te iara te Aito Steve te hut ata haktaro rato e mapia mai rapa mai te ne ia ava no arwe no te harit atu i te oa no mata vai e murino mai ana wo hoiro mai te ne Aito tata to ne mhatai me tona upot iara mai rutu te ne hoi ate Aito o Kevin Serrant Jérusalemi te e hoi mai inia a Steve Teichot Ata e muri noa mai te e Aito o Ami Damas se te vea toara o hititua taerea te e heuf aho meira i muaroa e te tapiri meira ona inia i a hotu i te rei por ei i muatoa i a Tupuria King e o rei here tawaiar ei. Allez, voilà pour le classement du top 7 hein, pour l'instant qu'on vient de vous donner. Et petit changement de cap, on a l'impression que Stevie Boy prend plus sur la droite de votre écran en tout cas, et que Kevin lui prend à gauche. On est avec André pour éventuellement un changement de cap. En effet, donc à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore vraiment sortis de la passe de Haroué. Mais c'est vrai, vous avez bien vu. Bien, Kevin et puis Damas descendent plus vers Tatei, alors que Steve a décidé de coller à la balise verte. Je viens de remarquer également un nouveau Aito dans le top 10. C'est notre ami Kyle Taroufou. Il y a également Taroua Dubois qui vient de passer. Et bien, tout est arrivé, Hoatoua. Il y a également Charles Tenouri, le frère de Steve Teichot Ata. Je sais qu'il m'entend, Kevin Quider qui représente bien sûr l'île de Bora Bora Myama. Ils sont en train pratiquement à la queue leu-leu de rejoindre le grand Toseyon avec bien sûr, vous le voyez apparemment, Kevin qui semble vouloir passer Steve Teichot Ata Myama. Ça rigole plus, on est sur le plan d'eau, accélération de notre Aito qui a gagné 4 fois et bien cette grande course. Eh bien, Kevin qui vient de prendre, je crois, je regarde de l'arrière de mon bateau, il vient de prendre la tête. Le combat commence même. Oh là là, ça chauffe à l'avant de la course, ça frotte, oh là là, ça monte sur le 21, regardez-moi ces images, Kevin et Stevie qui pour l'instant se percutent sur les 21, alors que Ami Damas sur la droite essaie de passer en douce pour prendre la tête, mais on a vu sur son combat, notre ami Davidson me le confirme au champ de la tête, que Kevin et Steve, pour l'instant, ne laisse rien passer. Et c'est Ami Damas qui prend les devants de la course avec son maillot rouge.
Oye mo wa Olivier wa itene hone tatu itene mo wa te yura te mo wa Steve te hotata rawa o Kevin Seran Jerusalem o tamata tua tua ya o me o amidama te hume enye ya rawa itara te na eto epiti o Kevin rawa o Steve et ura te tura ipa hura o Kevin hoa to mua ite taime i mua nua mai ite eto o Steve te hotata te hapaumara te mo eto Irto e tenho era rapomararato e te o no matavai. Allez, Ingrid. On est avec Ingrid qui est sur ce combat exceptionnel, Ingrid. Eh oui, un combat exceptionnel comme vous l'avez vu, hein, les bas de Steve et de Kevin se touchaient quasiment, mais Kevin là a redoublé d'efforts et donc il prend la tête pour l'instant de cette course. Il a eu une longueur d'avance sur Steve Teixeira sur son bas rouge et ils sont poursuivis tous les deux par Ami Damas en quatrième position. Donc on peut dire que le quatrième poursuivant est à environ 60 mètres derrière eux. Donc le combat pour la première place se joue avec ce trio de tête pour l'instant. Ouais, Davidson, il me faisait remarquer justement que la force de Kevin, c'est qu'il arrive à prendre des vagues et à surfer contre le vent, à remonter et à réussir à surfer. Et vous le voyez, on voit que Steve Teixeira prend un petit peu plus côté plage, hein, on va dire, plus à l'intérieur. Exactement, il va, il essaye de trouver le bon courant parce que là, lorsqu'on sort de cette passe du tombeau du roi, hein, on a l'habitude d'appeler cet endroit le tombeau du roi. On a aussi quelques petits caps à prendre, on a des courants qui nous aident à revenir sur les falaises du Tahara et c'est ce que essaye de faire notre ami Steve Teixeira là, qui, vous le voyez aussi, même s'ils sont remontés, arrive à surfer le dos des vagues lors de leur remontée. C'est ce qu'a fait également notre ami Kevin Seran-Jerusalemi qui lui a choisi de remonter un peu plus vers l'océan, côté océan, comme Ami Damas qui est juste à une vingtaine de mètres derrière lui. Maintenant, tout va se jouer maintenant dans cette remontée entre ces deux compères, hein, Steve Teixeira et Kevin Seran-Jerusalemi. André. Ah, André n'est pas encore avec nous puisqu'on a pas d'image. Ah, t'es là, mais on a plus tes images, André. Juste un petit mot pour Dounir, qu'on nous envoie plein de messages de Malaisie, du Japon, du Canada, de Colombie, de Medellin. Et encore plus loin, de Papeari. Voilà, donc on nous suit partout, André. Eh oui, donc super. Là, on est revenu sur l'avant de la course. On remercie bien sûr notre bateau d'eau d'Ingrid Vohi, car on était un peu bloqué dans le chenal, nous aussi. Il y a le combat entre les bateaux. On m'a demandé en arrière de regarder bien ce combat. Eh bien là, on voit quand même que Steve ne lâche pas prise. Il y a deux caps différents. Maintenant, c'est du marquage. Vous avez vu également au niveau du plan d'eau. Le plan d'eau a changé. Hein, vous avez vu le surf tout à l'heure, la petite remontée dans le calme. Là, regardez la houle. Vous rajoutez maintenant les vagues de bateaux, même si on a dit que les bateaux sont interdits sur le plan d'eau. Eteravia, c'est comme ça le Tahitien, on vient soutenir son champion, on vient soutenir sa famille, son cousin, son tonton. Ils sont tous là à peu près. Allez, puisque c'est interdit, il n'y a que 50 bateaux sur le plan d'eau. Si on n'avait pas interdit, on serait 150. Voilà à peu près ce que l'on peut dire actuellement. Et c'est Steve Teixeira toujours. Steve Teixeira devant, on est là, aux premières loges même, on est à côté. On essaye bien sûr, grâce à Thomas, mon pilote, de protéger nos champions, de ne pas donner de vagues. Mais on sent Kevin, Myanmar, très à l'aise quand même dans cette remontée. Je confirme, il a chopé ce petit courant arrière, à moins que ce soit son coup de rame. L'accélération de Kevin qui vient chercher Stevie Boy. Damas est obligé d'accélérer. Réaction, il connaît son copain Kevin Seran-Jerusalemi. Il ne faut pas laisser partir. À l'heure actuelle, Kevin fait le forcing pour revenir. C'est là où ça se joue, je crois, au niveau de la tête de la course, même si, bien sûr, il reste encore un tour. On voit bien notre ami Kevin Seran-Jerusalemi qui accélère pour revenir sur Steve Teixeira. Et Steve Teixeira, bien sûr, c'est pas un manchot, comme on dit. Steve Teixeira qui résiste et qui jette un œil de côté pour pouvoir jauger où est Kevin. On voit nettement l'avancée de Kevin Seran-Jerusalem. On va dire le neck-to-neck, le contact pratiquement côte à côte est à venir dans quelques instants. Je sens Kevin très à l'aise, de même que Stevie Boy, les amis.
Allez, on voit un Stevie Boy en plein combat avec Kevin Serrant Jérusalemi, Ami Dama juste en embuscade derrière. On a pour l'instant un trio de tête depuis quasiment plus d'une demi-heure maintenant, Davidson. Il reste encore une heure de course à peu près. Je me base bien sûr sur le temps de l'année dernière, à peu près 1h51. Il reste une heure pour faire cette boucle, passer devant la pointe Vénus et repartir pour une boucle. Ça va être un final exceptionnel parce que pour l'instant, il n'y a pas un homme tout seul en tête avec 800 mètres d'avance. Hein. On a un trio de tête et regardez derrière, il y a à peu près 100 mètres simplement sur les poursuivants, où on a Poroy, on a Etitoua, on a Tupuria King, Arihere, Karl Taroufo, on a Taharoua Dubois, on a Kevin Kuider. Dans le top 10, on a encore des caïds qui sont là. Donc, pour l'instant, on suit le va-à rouge de Steve Teixeira, le maillot jaune de Kevin Serrant-Jerusalemi et le maillot rouge de Ami Damas également, qui n'est pas très loin. Exactement, il va falloir pousser, redoubler d'efforts et c'est pas fini. Ils doivent finir le premier tour. Il y a le premier tour à terminer, il y a encore un autre tour à faire là, dès qu'ils vont passer du côté du toit Hiro à la pointe Vénus. Et comme le disait, hein, je le disais tantôt, et André l'a bien remarqué, ce courant qu'il y a à cet endroit, c'est un endroit où on a l'habitude de ramer avec André, et il y a ce courant que Stevie Boy et notre ami Kevin Serrant-Jérusalemi ont trouvé pour pouvoir justement être plus à l'aise, ramer dans le feeling et remonter beaucoup plus vite que les autres, hein, Ingrid. Oui, effectivement, Davidson. Donc pour là, nous avons laissé la tête de course à André. Nous avons suivi donc le paquet emmené cette fois par Hotwitter et pour eux qui est en quatrième position pour l'instant, à environ 50 mètres donc derrière le trio de tête Hotwitter que l'on voit à l'écran sur son va blanc et gris. Revenant, comme le disait André, donc ce jeune qui avait été remarqué pendant ces années en tant que junior avec l'équipe de Moua Tamaiti no Papara. Il était un superbe moteur avec Abel également. On se rappelle donc de leur belle victoire et des performances qu'ils avaient réussi à réaliser lors de leur voyage à Uapo pour la course de Rataro Ohotawa. Donc Hotwitter pour eux qui est passé senior cette fois et qui vient titiller donc ce paquet de tête. Il est suivi de très près par Manu Dea Mion qui porte le maillot vert aujourd'hui. Exactement, Hotwitter Ey, pour eux qu'on avait vu également dans l'édition 2016 de la Hawaii Kiniwa, monter sur le va de Paddling Connection. Les amis de Paddling Connection lui avaient donné l'occasion de pouvoir faire en open home la Hawaii Kiniwa. Superbe travail, très content de voir le cousin revenir en haut de tableau ici dans cette compétition. Et la preuve que vous êtes vraiment très attentif également à nos graphiques, hein, notamment en Maori sur Facebook, qui vous dites vous êtes un petit peu trompé sur le troisième, c'est bien Damas. Oui, le troisième, c'est bien Damas. Le quatrième, c'est bien Poroy. Merci de nous suivre et puis de nous le faire remarquer. C'est bien les trois premiers, Stevie Boy, Kevin et Ami Damas qui sont en tête. Et à la quatrième place, vous les voyez, ils sont tous les trois groupés. Et derrière, on est avec Ingrid dans le top 10 pour suivre avec Poroy, avec Ititoa. On espère également voir dans un instant. Voilà, merci à notre ami Témoana, à notre réalisateur Patrick Mirakian pour ce trio de tête pour l'instant qui mène la danse. Et puis on va voir avec Ingrid dans un instant où en est Tupuria King également de Nouvelle-Zélande, s'il est toujours dans ce paquet de 10, Ingrid. Et oui, donc on vous disait, donc en quatrième position, nous avions Hotwitter et Poroy suivi de Manutea Mion en sixième position. Donc on a un peu plus loin, dont on n'arrive pas à dire. Ah, il me semble que c'est Hititoa Taerea en sixième position. Et en septième position, donc si je ne me trompe pas, il s'agit de Kyle Taroufo. Et en huitième position, nous avons Taharoua Dubois qui a fait une belle remontée donc dans le top 10. Et en neuvième position, donc Tupuria King, le néo-zélandais qui se trouve donc juste derrière nous. Donc je vais demander à notre pilote de nous écarter un peu afin de ne pas favoriser qui que ce soit pour cette course. Allez, on voit l'image, hein, sur l'écran de droite, Tupuria King qui est le représentant néo-zélandais. Il a un petit peu, on peut le dire, hein, je pense, pas manqué, mais manqué son rendez-vous sur la finale du 500 mètres en V1, et puisqu'il avait remporté le championnat national, mais il ne s'est pas qualifié en finale. C'est bien ça, Ingrid?
Oui, effectivement, Olivier. Donc, Tupuria qui a eu un coup dur, il faut le dire, oui. Puisque sa sœur en Nouvelle-Zélande se bat actuellement contre un cancer du sein. D'ailleurs, il a organisé une levée de fonds à laquelle ont participé de nombreux partenaires tels que Feiva. Donc, il a organisé un tirage au sort qui s'est déroulé aujourd'hui afin d'aider justement sa sœur qui se bat actuellement en Nouvelle-Zélande. D'où l'absence, on va dire, de ses sœurs, hein, qui sont également des championnes de la discipline, de sa mère également. Il me semble que son père a été présent, quant à lui, sur ces championnats du monde. Donc, Tupuria, il se bat, je pense, aujourd'hui également aux côtés de sa sœur, même s'il est ici à Tahiti. Merci Ingrid. On va faire un tout petit tour rapide par la régie publicitaire de TNTV. Restez avec nous pour la suite de cette grande course, le Tahito 2018, avec une arrivée qui est prévue dans un peu moins d'une heure sur notre antenne. On se rejoint dans quelques instants. À tout de suite. Alors, on est en coupure publicité pour la télévision, mais pour le web, on est toujours en direct, Davidson, pour ce trio de tête qui est avec nous, avec en maillot jaune. Vous le voyez, c'est pas le leader du Tour de France, mais c'est pour l'instant l'un des leaders du Tahito, avec 4 victoires pour l'instant au compteur d'affilée. Kevin Serrant, Jérusalemi, le champion du monde du V1 500, qui nous a fait une course juste exceptionnelle. Il est au coude à coude avec... Avec Stevie Boy ici au coude à coude, le maillot jaune, c'est pas Froome, c'est Kevin Serrant, Jérusalemi, qui est juste là au coude à coude avec Stevie Boy. Et juste derrière, on retrouve Ami Damas avec ses superbes images de ces falaises de Tahara quand même. Ah, et puis là, on a une caméra placée, il me semble, c'est qui est placée tout en haut, qui nous permet de voir ces falaises. C'est juste magnifique avec Stevie Boy qui a mené une grande partie de la course. Il s'est fait rejoindre depuis la baie de Taonnet, mais dans les vagues, dans la descente, on verra, ça va être l'une des grandes questions. On demandera à André, est-ce qu'il va réussir à reprendre de l'avance lors de la descente et lors du surf, André? Je mets mon micro, excusez-moi. Donc là, regardez ce qui se passe, Myanmar. Regardez, depuis tout à l'heure, le neck to neck est là. Regardez, Kevin veut prendre la tête de la course. C'est fait. Regardez mes réactions. Réaction tout de suite de Steve Teichot. Attends, Myanmar, le combat, il est là. C'est là que ça se joue. On ne parle pas pour l'instant du surf. Là, c'est un combat mental. Steve a mené la course depuis tout à l'heure. Et Kevin, il veut montrer. Je sais, je suis rameur, je suis sur le plan d'eau. Et bien, il veut montrer que... Maintenant, tu es fatigué, c'est moi qui vais prendre la tête. Et qu'est-ce que Steve Teichot à table montre là? Eh bien, tu accélères, j'accélère alors aussi. Tu veux savoir si je suis fatigué? Eh bien, voilà, il y a à toi. Voilà ce qui se passe, Myanmar. C'est ça la réalité du combat, pour ça qu'on appelle le neck to neck. Steve Teichot-Tata veut montrer à Kevin que même s'il a cravaché dans le surf, même s'il a démarré comme un fou, eh bien, il a encore du répondant, qu'il est prêt pour ce rendez-vous. Et Kevin Serrant Jérusalemi revient à côté de lui, revient le titiller. Ça fait la 4e fois que Kevin pousse son accélération et c'est la 4e fois que Steve répond. Alors André, que derrière, il y a Ami Damas. Olivier. On va devoir juste, je t'interromps quelques instants parce qu'on va être en retour de publicité. On doit reprendre l'antenne pour nos amis de la télévision avec le petit jingle et on revient vers toi dans 10 petites secondes, André. Allez, on est les amis sur Internet, mais on passe également en télévision dans un petit instant. Vous êtes de retour en direct sur Tahiti Inouï Télévision et vous n'avez jamais lâché l'antenne sur le web avec nous à travers le monde. Poursuite cette course exceptionnelle de 24 km, le Tahito édition 2018. On va passer dans 5 secondes à l'heure de course. Vous le voyez sur ces images, 3 hommes en tête. On vous fait le point avec Steve Teichot-Tata, Kevin Serrant Jérusalemi et Ami Damas. À l'arrière de course, ça se bat dur et pour essayer de revenir dans le paquet avec Ingrid qui est sur le bateau numéro 2. Ingrid.
Et oui, donc tu as cité donc le paquet de tête avec Steve, Kevin et Damas en quatrième position. Je rappelle quand même, il y avait Rotuitere pour eux, suivi de Manute Amion en sixième position. Nous avions Hititoa Taerea, donc de Tautira. En septième position également de Tautira, Kyle Tarofou. En huitième position, nous avons Taroua Dubois, suivi d'une première étranger, le néo-zélandais Tupuria King. En dixième position, nous avons un numéro 246. Nous n'avons pas réussi à savoir de qui il s'agissait. En 11e position, nous avons Kevin Quider, qui n'est autre que le petit frère de Steve Teisho Ta'ata. En 12e position, nous avons Manari Flores, qui est en face de nous actuellement sur son Vaha blanc. Et juste derrière lui se joue un combat entre Sly Lissao et, si je ne me trompe pas, donc Superman, un rameur donc du Team OPT surnommé Superman. Mais bon, ça, je n'en suis pas très sûr, je vous dirai cela un peu plus tard. Et en 15e position, ce sont Vaha gris et jaune, nous avons Tutehari Hoatua. Ouais, merci, vous êtes toujours très nombreux à nous suivre en direct également sur Facebook. Je vois que notamment il y a Georges Kronstedt qui nous suit également en live. On lui passe un grand coucou. On a encore d'autres Tikitoa avec Thierry Labaste, Flower, hein, notre ami Bicycle sur le Beach Soccer. J'avais vu Naya Bennett également tout à l'heure. Ils sont en Suisse en train de se préparer, Naya et Manu, tout ça. Donc voilà, vous êtes nombreux. Envoyez-nous vos messages. Merci de nous suivre. On retourne également à l'avant de la course puisque le combat fait rage, André, toujours. Et ça ne lâche rien entre Stevie Boy et Kevin Sitchi. Olivier, tu m'entends ? C'est à toi. Ah pardon, excuse-moi. Donc on entend tellement les gens crier autour de nous. Je ne sais pas si tu as un retour micro, mais il y a du monde. Il y a du monde sur le plan d'eau. Je viens de voir juste à côté de moi, eh bien, les constructeurs. Il y a Tonton Joe Benton, il y a surtout, eh bien, Marc Tehuritawa. Tu connais également Davidson Marco. Yes. Marc Tehuritawa, qui est le constructeur de Steve Teisho Ta'ata et cette nouvelle pirogue qu'il a construite depuis 2-3 semaines, depuis cette fameuse course de Bora Bora. Steve qui est toujours devant. Je vous disais, nous étions sur le web, qu'à l'heure actuelle, ok, tout le monde est en forme. À l'heure actuelle, tout le monde veut gagner. Mais c'est surtout qui est-ce qui veut être devant pour pouvoir montrer à ceux qui sont derrière bien, que je suis le plus fort et que je peux encore envoyer. C'est Steve Teisho Ta'ata actuellement qui est fort à ce jeu. Derrière Kevin, pendant 3 ou 4 fois, il a essayé d'accélérer pour passer Steve Teisho Ta'ata. Nous étions en coupure pub pour nos Aito qui sont sur... Eh bien, dans leur salon, en train de regarder le direct sur leur téléviseur. Eh bien, à chaque fois, Steve Teisho Ta'ata a répondu. Et là, à l'heure actuelle, regardez ce qui se passe. C'est Ami Damas. C'est Ami Damas qui a passé Kevin Seron Jérusalemi et qui essaye à son tour, lui, de sprinter et d'essayer de prendre la tête sur Steve. Mais Steve, regardez, il est serein. Steve, reste. Steve concentré sur son coup de rame et a actuellement 2 à 3 mètres d'avance sur Ami Damas ainsi que sur Kevin Seron Jérusalemi. Et dans quelques instants, dans moins d'un kilomètre, peut-être 800 mètres, on va entamer le deuxième tour de circuit. Miama, quelle course passionnante. Restez branchés là. Notre ami Thomas va se rapprocher du combat pour pouvoir filmer. C'est Aito à la queue leu-leu. Regardez ce qui se passe, Miama, c'est technique. Je vais vous dire ce qui se passe actuellement. Il y a un petit peu ce vent de côté lorsqu'on passe devant. Eh bien, les Kawen, on sait que Patrick Kawen habite dans les parages ici. Lorsqu'il y a les Maoti, il y a de grosses vagues qui viennent de côté et qui se cassent sur la plage. À l'heure actuelle, il y a cette petite vague qui soulève les pirogues, et c'est ce que Steve et Ami Damas essayent de choper. En plus, bien sûr, des vagues de bateaux. Là, Steve, accélération. Là, Steve a eu cette petite vague. Steve est deux sur la vague. Il accélère. Ami Damas sait qu'il faut rattraper. Il ne faut pas laisser partir Steve. Regardez, Steve est à l'aise devant. C'est rien qu'un petit clapot peut faire partir donc ces bolides. Voilà, Miama. Ce qui se passe actuellement pour cette course, ce live avec toujours Stevie Boy qui crée la surprise aujourd'hui parce que durant la saison il n'a pas réellement été présent. Peut-
peut-être deuxième ou presque sur le fil, battu sur le fil, mais là, il a décidé de prendre l'avant de la course, alors que derrière, on va arrêter, puisque derrière, eh bien, il y en a qui en profitent pour surfer. Merci à notre ami qui est sur le bateau, qui veille au grain, car à Miama, il y a du combat même entre les télés, là, ici, je vous dis. Eh, superbe combat. Un petit bonjour d'Allemagne, un petit bonjour de Colombie. Vous êtes toujours nombreux, nous envoyez vos messages. On vous suit pour ce combat exceptionnel, puisque on a trois hommes pour l'instant en tête de course. Ils ont encore un tour complet, encore pas loin d'avoir 12 à 13 km à faire pour aller chercher la victoire. Et à l'arrière, on ne lâche rien dans le top 10 avec Ingrid. Oui, là on passe au top 15, puisque en 13e position nous avons Narit Terey. Nous avons pu nous rapprocher de lui afin de ne pas favoriser ses poursuivants. Narit Terey sur son va à Mauve, ancien sociétaire de Shelva qui est passé chez les Tamari CPS, qui vient de dépasser non pas Slaily Sao, mais il s'agissait de Hiro Flores. Hiro Flores donc qui poursuit Narit Terey. Et juste derrière eux, en 15e position, nous avons Johan Kronstedt, donc sur son bas à blanc et rouge, qui a réussi à revenir sur une dizaine d'adversaires. Et en 16e position, on retrouve donc Tutearhi Hoatua, qui s'est malheureusement fait dépasser. Donc il y a encore beaucoup de rameurs qui arrivent, mais en tous les cas, c'est plus facile de vous donner un classement maintenant, puisqu'ils se suivent en file indienne. Ouais, file indienne, et ça va continuer à défiler, parce qu'on le rappelle, ils sont plus de 500 à avoir pris le départ. On va refaire un point en tahitien justement sur le top 10, Davidson. Tiet apapar au te mau av ahu eru te te nei a huir a te eto a te mau tani ia te te amata mo te te mo Steve te hut ata hari mai ia mai tau to itera te te a hur mape te iu Johan Kronstedt ia te tuana etra na Josh Kronstedt e ia te te a apiti te ia eto o Kevin Serujaru Jerusalem hari mai o ami Damas o hu tuter ia por ei ia te te a ramha te pena mion manutea hiti tua taerea kail tarau fau i muri mai Tupuria King te wei at ora tāroa Dubois ur ei here tawe ar ei rawir hei mau feia hoe i mua roa ti murira i aura e ono huru metera te e whata e nei te e nā feia hoe e toru i mua roa o Steve Ami e o Kevin Seron Jerusalemi e te wei at ora o tutear i hoa tua te e i ruto Allez, on arrive justement au demi-tour. On est avec André. On arrive sur la pointe Vénus. André, toujours avec ce trio de tête qui va être rejoint, me semble-t-il, à moins que ce soit un accompagnateur. André non, en fait, ouais, tu m'entends, Olivier? Là, il y a tellement de bruit sur le plan d'eau, donc on est là. Là, à côté de ces Aito, toujours Steve. Steve ne veut pas lâcher la tête de la course. On voit surtout ceux qui ont pu profiter des vagues de bateaux. C'est pour cela que vous voyez Kevin en train de faire des signes. Mais ce n'est pas nous, même. C'est pas nous. Il y a plus de 50 bateaux sur le plan d'eau. Il y a Kevin qui nous demande comment faire pour tourner, puisqu'il n'y a pas de balise. Il manque en fait un bateau devant pour montrer où les Aito doivent se diriger, quelle balise ils doivent contourner. Mais je ne veux pas me prononcer, car je ne veux pas quand même donner de mauvaises informations. En fait, ils vont suivre Steve Teixeira, qui est maintenant guidé. Steve Teixeira, qui est maintenant guidé par le comité organisateur. Là maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un quatrième rameur qui est Manutea. Actuellement, eh bien, Manutea Mion qui est revenu donc à la quatrième place, qui a profité des vagues sur le plan d'eau. Donc cinquième maintenant, Hotuiter est pour eux. Et là, le demi-tour, les amis. Ouais, le demi-tour, on le voit, hein. C'est vrai qu'il était un petit peu perdu parce qu'il n'y a pas de bouée. Il a contourné simplement un groupe de personnes qui sont debout dans l'eau. Mais il n'y a pas de bouée. Ouais, il n'y a pas de bouée à ce niveau-là. Donc un petit peu perdu, Steve Teixeira qui menait la course et qui levait les bras en l'air, disait mais où je tourne, où est-ce que je vais? Oui, vous ne voyez pas de bouée d'habitude. On met toujours une bouée sur ce pâté de corail que juste l'on appelle le Toa Hero. Hein. Exactement. C'est le Toa Hero qu'on appelle. Il n'y avait pas de bouée là pour cette édition. Ils étaient un peu, quelque peu perdus là. Mais bon, tout va pour le mieux à l'heure actuelle. Ils sont maintenant en train de revenir vers l'océan, le grand océan, et commencer à surfer vers la passe de Taone Ingrid.
Oui, donc pour l'instant, donc je suis avec Serge, donc dans le top 15. On peut dire que Hiromana a un peu de mal puisqu'il se fait cette fois passer par Johan Kronstedt. Tuteari également a un peu de mal. Il vient de se faire passer par Hitinui Poevei sur son Mob. On voit qu'il y en a quand même qui ont plus de mal que d'autres. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'à ce stade de la course, Johan Kronstedt a encore une carte à jouer puisqu'il a enclenché, on va dire, son turbo. Il était déjà remonté sur une dizaine de compétiteurs et maintenant il vient de passer, comme je le disais, Hiromana Flores et il se positionne donc en 13e position. Ah, et puis on a vu surtout à l'avant le retour de Millon, me semble-t-il, hein, qui est revenu s'accrocher au trio de tête. Et là, ben, tout est possible parce que Manutea Millon également, c'est un sérieux client pour la victoire finale. On le saura dans un instant avec André pour l'avant-poste, mais on est toujours avec Tuteari Hoatua. Tuteari Hoatua est aimé, retweet an ira, te mouvu fea hue hru a mapa, te teira por ei tatato en in he prawatu, e por ei atu te ia tata hue o Manutea Millon te hei mai, te inia ia te tiar am hai, e te me te heiro mai, inia ia Kevin Seron Jerusalemi rao rato o Ami Damas e o Steve te hiotata, te mua roa ia o te hoer a heu a tato ia André ra te ia Kevin Seron Jerusalemi te teime. Voilà, donc ite teime, te itene ia tato, ite ia aito Ami Damas, te ume umenei ia Steve te shotata, ita o Steve te shotata, inaro nei e farue, ite teime, te ite whahura hopea, whahura hopea no te ia te aito, whate aro matou, ite ye poti hoi te otou no te ha, no te mea te tapiri rā te mau tātā hoi, no te whahe e, i tā mātou mau are, mei Kevin Ma, whaitero hoa pa i te prou, mitrai hoa, no rea te hare nei mātou i rā pēroa, i te ye ia reni hoi rā i tāi nene, e tapiri no te whaite i te ye ume ume rā, te nene rā e prou, te ye ia a teime, o Ami Damas te ye, o tō muar i mai ia, Steve Teisho o tata e whātea tato i tato poti no te mea te hinarof ahaua te e a mau aito i muri e whahe e numera toru o ia o Manu te ia a Mion. Voilà ce qu'on peut dire actuellement donc sur ce plan d'eau. Et bien à certains qui veulent se rapprocher des bateaux suivants pour pouvoir surfer et récupérer, c'est le cas donc à Myanmar, il faut le dire quand même, de notre aito Kevin Seron Jerusalemi. On va quand même libérer la place et ne pas, on va dire, donner des vagues à qui que ce soit sur ce plan d'eau. Ce que l'on peut dire actuellement, c'est Ami Damas qui est sur les devants de la course de Steve Teixotata et passé second et troisième à l'heure actuelle. Eh bien, c'est Manutea Millon. Et Kevin est quatrième et Hotu est en train de revenir sur Kevin Seron Jérusalem. Voilà ce qui se passe, les amis, actuellement sur le plan d'eau en direct sur Tétinu Télévision. On l'a vu, sur ces images aériennes, complètement à gauche, Kevin qui a pris à l'extérieur, alors que vous le voyez pareil sur ces images aériennes, que c'est bien notre ami Steve Teixotata qui est à droite, avec Ami Damas au centre et juste derrière Manutea Millon, qui pour l'instant, eux, ont les trois premières places, mais ils se situent au même niveau que Kevin qui est à gauche. On est avec Ingrid. Et oui, donc on vient de retrouver notre Super Eito 2017. Il s'agit de Rete Ebb, que vous connaissez bien. Donc Rete Ebb sur son Vaha gris, qui est actuellement en 21e position, à côté de Temuana Taputu et de Here Tetua, des noms qu'on n'a pas l'habitude de citer. Voilà, donc Rete Ebb qui essaie, je pense, de faire son retard et de revenir sur la tête de course. On va demander au bateau, à Landry, à notre capitaine, s'il te plaît, de passer devant ce bateau suiveur et pour avoir de meilleures images donc de notre Super Eito 2017. Rete Ebb, hein, qu'on voit l'image, qui était assez discret hein, ces derniers temps. En effet, hein, il avait raté quelques courses. Hein, il
Il est à la recherche de son nouveau vin. On vient de savoir depuis un mois quasiment, il a changé de constructeur. Il est passé sur Arré maintenant et il est en pleine recherche de la. Il est en train de remodeler son nouveau vin. Comme vous pouvez le voir là, c'est une Arré et vous pouvez voir qu'il y a énormément de cicatrices entre guillemets sur ce vin. Ah bah elle est polie de tous les côtés. Voilà. Il essaie de trouver peut-être la bonne glisse, le bon shape. C'est ça. Mais il y a une guerre, hein. il y a un combat sur le VAA, il y a un combat chez les constructeurs, il y a un combat chez les télés également, il y a un combat un petit peu partout lors de ces Taito, n'est-ce pas André? Et il y a surtout un combat là pour la première place même. Steve Teixeira qui résiste. Steve Teixeira qui résiste à la pression de Ami Damas. Regardez, Steve Teixeira qui accélère. Ami Damas qui répond à l'heure actuelle. Steve Teixeira a un va d'avance. Cela joué en une fraction de seconde pour vous dire que même tout se joue actuellement sur le plan d'eau. Il y a un peu moins de surf et moi je vois surtout du courant. Regardez, les pirogues ne vont pas aussi vite quand il n'y a pas de courant de face. Là, ça se voit, ça se devine que les pirogues sont freinées par ce fameux courant de face qui vient sûrement du côté de Haroué. En tous les cas, grosse bataille entre le VAA rouge-orange de Steve Teixeira et puis Ami Damas sur son VAA blanc. Le combat est là alors que derrière on voit Manute Amillon qui est passé devant Kevin Serron Jérusalemi. Il est sur son VAA bleu juste derrière à peu près une trentaine de mètres alors que les deux Aito devant bataille. Deux caps différents également. Il y a le cap, bien sûr, de Steve et Ami Damas. D'ailleurs, Ami Damas qui vient de lancer son attaque et qui vient de prendre la tête de la course. Il y a également le cap de Kevin Serron Jérusalemi qui, lui, a décidé de se rapprocher des vagues de bateaux. Le bateau qui veut encourager, par exemple, Steve, il est dans les parages et c'est sûr que Kevin va pouvoir l'attraper. C'est une stratégie même. C'est une stratégie. Le plan d'eau appartient au rameur. Dès que le rameur a décidé d'aller à gauche, tous les bateaux qui sont à gauche doivent partir. C'est une stratégie, mais on sait qu'on provoque un petit peu le surf pour pouvoir donc revenir. En tous les cas, à l'heure actuelle, c'est Ami Damas qui vient de prendre la tête de la course avec un va d'avance sur Steve Teixeira même. Ouais, on voit ça sur ces images et on va retrouver également Ingrid qui est également dans le top 20 toujours. Ingrid, oui, donc RTF qui remonte petit à petit, refait tranquillement, on va dire, sans retard, puisque de la 21e place, il est remonté à la 18e place, juste derrière donc Jacques Tavéaré. Enfin, excusez-moi, hein, je n'ose pas trop dire le nom, parfois je me trompe, peut-être que Davidson pourra me corriger sur son nom de famille. Jacques, donc, sur son VAA orange. RTF, comme je le disais, est sur son nouveau modèle de pirogue, et comme l'a précisé donc Davidson, on le voit quand même qu'il y va tranquillement, il essaie d'attraper les creux des vagues, il fait quelques petites accélérations de temps en temps, mais en tous les cas, RTF, comme l'année dernière, n'avait pas forcément cartonné au Taito, mais on l'avait retrouvé, on va dire, tout puissant sur le Super Taito, puisqu'il l'avait remporté. Donc, c'est un rameur qui ne fait pas beaucoup parler de lui, il ne fait pas beaucoup de vagues, pour reprendre cette expression, mais en tous les cas, il peut nous réserver bien des surprises. Alors qu'on voit à l'image, hein, en premier plan, Ikinui Poeva également, qui est à la lutte avec notre ami Reteeb pour cette place dans le top 20, Davidson. Oui, à moi, ouais, mais t'as tato, il t'a né, Et
Allez, on est toujours également avec André en tête de course pour l'instant, avec Steve Teixeira avec le Vaha rouge complètement sur la droite de l'écran. Vous le voyez plus à l'intérieur. Il est suivi de très près par Kevin et également par Ami Damas. En effet, donc deux caps différents. Ami Damas a essayé de provoquer Steve Teixeira. Voilà l'analyse de Vohi Mema. Steve Teixeira était avec Ami Damas un peu plus vers les falaises du Tahara. C'était le cap numéro 1. Derrière lui, il y avait Manute Mion. Maintenant, ils ont essayé de provoquer Steve. Steve n'a pas lâché prise. Steve est toujours devant avec carrément maintenant une trentaine de mètres d'avance. Et je vois du bateau où je me trouve qu'il surfe bien. Du coup, eh bien, Ami Damas a décidé de changer de cap. Quand ça ne marche pas dans le vase sur un cap, on change. On change de trajectoire pour éviter un courant, pour éviter ci, pour éviter ça, pour aller chercher les vagues. Donc maintenant, eh bien, Ami Damas s'est rapproché, comme Kevin Serre en Jérusalem, eh bien, des bateaux suiveurs. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est pour surfer la petite vague qui viendrait d'un des bateaux qui se rapprocherait trop près de ces Aïto pour filmer, par exemple, ou pour encourager. Cela veut dire quoi également? Cela veut dire que Steve, physiquement, est très, très fort. Ils ont essayé, c'est-à-dire mano à mano, c'est-à-dire force, puissance contre puissance, de passer devant Steve et ça n'a pas marché. Voilà ce que je veux dire actuellement à Steve Teixeira. Jouer tous les plans pour l'instant, hein, parce que ce n'est pas encore fini. Eh bien, de ses adversaires comme Ami Damas, t-shirt rouge, Kevin Serre, Jérusalem. Mais je remarque quand même, Damas paye. Vous savez pourquoi? Parce que regardez, Steve a un petit peu de mal de temps en temps de surfer. Peut-être qu'il est tombé dans un courant un peu plus fort que le cap que Ami Damas. Et puis Steve, puis Kevin, pardon, Serron Jérusalem ont décidé de prendre. Et je vois même Manute Amion, je vois même Manute Amion sur son bras bleu qui laisse le cap de Steve Teixeira, le cap vers le bas, et qui vient plutôt se rapprocher de Ami Damas et Kevin Serron Jérusalem. Voilà, il y a la puissance, il y a aussi la stratégie et le feeling dans les courses de bas, les amis, la preuve actuellement. Promo hua André ye hyun at ini mo ho ai yoda pa ye te tafifi i te topupur i te ho a at e to steel te ho tata ye ura e wa o par ona in e irto i te ni o pape a tata o e matoru mai nei te o pape i ropu me te i te ye ho a norira pa o Ami Damas rawa o Kevin Serron Jérusalem o poe hare i taitu no te fa e tu i te mo are Ingrid. Davidson, nous sommes à la hauteur donc de Meimaro Tetuanui, pardon, sur Chamba à bleu, coude à coude avec Tuteari Huatua. Très surprenant puisque Tuteari était à la 15e position et maintenant nous le retrouvons à la 25e place. Je pense que là il est en train de subir la course. Il faudrait se renseigner pour savoir ce qui se passe. Parce que là, on le sent vraiment pas en forme du tout pour avoir rétrogradé aussi loin dans la compétition. En tous les cas, sur son bas à bleu, quant à lui, Meimaro Tetua, Nui, sociétaire donc, du team OPT, fait également lui tranquillement sa course, profitant de la houle qui se présente à lui et tentant donc de rattraper juste devant Nar Eyadje et bien sûr Rete Eb qui est toujours sur les deux au niveau de la 20e. Voilà, et puis on va refaire un point également en tête de course puisque c'est toujours le combat. Rien n'est fait pour la victoire finale. On en est encore loin puisqu'il reste encore au moins une demi-heure alors que vous voyez toujours ces images de Oatua Tuteari. Mais André, on va revenir avec toi également pour cette tête de course. Hein. Il reste une demi-heure de course. Est-ce que tu vois un homme plus en forme que l'autre pour la victoire finale, André? Kevin Serron Jérusalem, je vois Kevin Serron Jérusalem, le tacticien, à celui
réfléchit beaucoup sur le vent. On l'a vu durant même les courses de vitesse. Il a ce fameux feeling du côté des boxeurs. On appelle ça la vista. C'est-à-dire savoir quel coup va partir avant même que le boxeur n'ait lancé son attaque. C'est la vista. Et au niveau du va, c'est ça. C'est ce qu'on appelle nous le feeling ou le mana. Donc Steve Teixeira physiquement en forme, physiquement en forme. Cela se voit sur ce qu'il est en train de nous démontrer tout seul devant. Pas de vague de bateau, une course réglo pour Steve Teixeira qui malgré tout ça eh bien, maintient. Eh bien, ouais, on a juste un petit souci de micro avec André qu'on va rejoindre dans un petit instant, mais il nous disait voilà, Steve Teixeira qui maintient sa pression. On voit le maillot rouge de Hamid Hamas aux côtés de Kevin Serrant, Jérusalemi. Les amis, vous êtes toujours en direct sur Tahiti Nui Télévision, en télé, en web pour suivre avec nous cette 31e édition du Tahito 2018. Un petit point sur la course avec les trois premiers. On a Steve Teixeira, Kevin Serrant, Jérusalemi, Hamid Hamas. On a Mignon qui est juste dans le coin, juste derrière la troisième ou quatrième position. Vous voyez le classement provisoire. Et puis derrière, on aura également Poroy. Ititoa Taerea, Kyle Tarofo. On a Taroa Dubois, Tupuria King également dans le top 10. Donc deux grands champions. Mais pour l'instant, en tête de course, ce sont ces trois-là, ces trois hommes. Rien n'est fait à une demi-heure de la ligne d'arrivée. Ils vont arriver dans, allez, peut-être une dizaine de minutes dans le long du récif à la passe de Taone. Oi, ma wa Olivier Fahamon ora ita to wei rutite ne hoera to muaru Steve te hot ata har mai o Kevin Seron Jerusalemi e o Amida Mast veat ora ai muri mai ao tut hotuiter ai por eio o manute a million hititua taere a kaitaro fo tu puria king rei here ta vai ai taru tu bo i roto e nei a hoer ai muaru ai rutit an a huru o na feia a hoe o te e haktaro ra to e tapae tu e i roto e ava no ta one no fa hira e no te hia tu i te o a no mata vai mai ta auto itera i rut i nei mau ho a o te o tue o o a no a mata vai ravir hai a hua mau feia hoe e te fa oti nei tara tau tu a mata mua e horo atu e i roto i te tu a piti a fa hu fa hu mai no te piti ra o te teime i roto i te ne hui a te ai tu atu mou tane mei tau to i te rani e te emo ho a Kevin Quidert e Kevin Quidert i roto i te ane ra o te mau horo mapai pa horo mapai atu te ie te tuana te ie a Steve Tehiot ata i roto i te ne hui a Ingrid. Davidson, tu l'as reconnu, Kevin Quider. Il faut dire que grâce à notre pilote Landry, nous sommes très près de lui et nous pouvons ainsi profiter du surf qu'il nous propose. Voilà donc Kevin Quider, très affûté également pour participer à cette 31e édition du Tahito qui surfe comme un dieu. Si le classement n'a pas changé, Kevin Quider doit être en 11e position. Et là-bas, en fond, vous pouvez apercevoir Tupuria King. Donc, ils sont actuellement en combat, même s'ils n'ont pas pris le même cap, mais ils sont quasiment sur la même ligne de course. Et juste devant eux, nous avons Taroa Dubois sur son bas à bleu et jaune fluo. Ouais, voilà pour attention, oh, il a failli chavirer juste devant l'œil de la caméra de TNTV. Kevin Quider qui dans son surf est très doué, mais une petite vague de côté, ça suffit pour éventuellement se faire une petite alerte, Ingrid, hein. Oui, effectivement, comme quoi il faut toujours rester très très vigilant. Et en plus, comme on le sait, la plupart de ces rameurs ont déjà accumulé de nombreuses heures de rame, de nombreux kilomètres, de nombreux efforts. La fatigue peut se faire ressentir et voilà qu'un accident peut vite arriver. Mais finalement, ce sont des pros, ils savent tenir le cap. En tous les cas, c'est le cas pour Kevin actuellement qui tente le tout pour revenir donc dans le top 10 de cette course. Ah, superbe, hein. Superbe session de surf de Kevin Quider. Voilà, on est aux alentours du top 10 avec Tupuria King qui accompagne Kevin Quider. On va retourner aux avant-postes avec André sur ces images aériennes avec, vous le voyez, le va-à rouge de Steve Teixeira qui a pas loin de, allez, plus de 50 mètres d'avance sur Kevin Serrant Jérusalemi et Hamid Hamas, André. Ouais, on sent
Myanmar, on sent Kevin, pardon, on sent Steve Techo-Tata, très en forme au début de ce deuxième tour. Nous sommes à la hauteur de la passe de Haroué, du fameux tambour du roi. Regardez, nous on est à côté de Steve Techo-Tata, il accélère, il est dans son feeling. Il est vraiment très à l'aise devant, alors que Ami Damas, pendant que vous étiez avec Ingrid, avait essayé de lancer son attaque, mais il a rebroussé chemin, il n'a pas continué puisque Steve a vraiment, on va dire, démarré comme un fou et surfe là depuis tout à l'heure. Il enchaîne vague après vague. On voit une excellente avance, on va dire, de Steve Techo-Tata sur ses plus proches poursuivants qui semblent avoir lâché prise et qui laisse eh bien, Steve Techo-Tata s'exprimer tout seul devant, André, tout seul dans le surf. Ouais, justement, oui, la question qu'on te posait tout à l'heure, puisque dans le chenal, Steve s'est fait rattraper et il avait pris l'avance sur le premier tronçon en descente de vague. Il refait la même chose. Est-ce qu'on va avoir le même scénario avec une avance peut-être de 50, 80 mètres et peut-être un retour de Kevin et de Ami dans le chenal? C'est peut-être ce qui va se passer. Qu'en penses-tu? Moi, je pense, Myanmar, ce qui va faire la différence. Moi, je vois un niveau un peu plus élevé au niveau du physique pour Steve Techo-Tata. Ce qui va faire la différence, écoutez-moi bien, ce seront les vagues de bateaux. Ce seront les vagues de bateaux. Il y a trois bateaux, quatre bateaux médias autorisés à poursuivre cette course. Mais il y a surtout une cinquantaine de bateaux et de jet ski et de rameurs qui sont donc et tout ça, qui toutes ces personnes-là, tous ces pilotes qui sont autour de cette course. Regardez la configuration de course. Steve est devant. Myanmar, Steve est devant. La passe de Taone est à quelques, à peut-être un kilomètre et demi de là. Et bien Steve, et puis comment il s'appelle, Ami Damas reste dans le sillage des bateaux pour pouvoir surfer. Alors que Steve, regardez Steve à l'heure actuelle. Je ne sais pas si mon copain Narito Konangi filme, il est en train de se reposer parce que lui, il surfe les vagues naturelles, c'est-à-dire le creux, il vient naturellement. Alors que derrière, il y a 1000 creux, 1000 vagues. Donc on peut choisir, allez, on prend celle-là, on prend l'autre. Et c'est pour ça qu'ils reviennent. Ce qui va faire la différence, Myanmar, ce sont les vagues de bateaux, surtout dans le chenal, où on va dire que la vague tape sur le récif côté barrière, puis revient à tâter. Et ça fait ce qu'on appelle la washing machine que les Aito, que l'élite savent bien surfer. Voilà mon analyse, Myanmar. Mais justement, hein, tu le disais, dans le chenal, logiquement, il n'y a que 3 ou 4 bateaux qui sont autorisés, ceux de TNTV, ceux de nos confrères de Polynésie Première, et puis les médias de la presse et de la radio. Donc ça fait seulement 4 bateaux, et tous les autres bateaux, normalement, ne sont pas autorisés, mais ils passent quand même, André. C'est bien ça. C'est ce que tu nous expliques. C'est ça le souci. Et surtout, à l'entrée de la passe de Taone, et au début de la sortie de la passe de Haroué, où tout le monde attend. Et en plus, ils savent qu'il y a le combat, que l'enjeu est là. Ils sont actuellement devant leur poste de télévision et ça, de télévision. Donc, ils savent qu'il y aura du combat. Ils vont tous rejoindre le plan d'eau. Et c'est ça qui est dangereux pour ce Aito qui est devant. On le sait très bien. Même Davidson, je pense, pourra confirmer tout ça avec une seule vague. Même, on peut revenir sur 20 mètres, une seule vague. Hein. Une seule vague exactement suffira à un rameur pour venir sur son adversaire. Irotoit Ineyahu et Amitatato Itera, Steve Tehotatato Mouaroua, Aktaroua, Rumetrat, Efata Ineya, Steve et Kevin Seran, Jérusalem, Raoua, Ami Damas, Simurimai, Aktaroua, Teye, Mou, Feyahoué, Teye, Feyahoué, et Oatu, Irotoit, Yavano Taone, Iopa, Teye, Rupa et tout avait été taouillé na te traité et au maille te mon petit à toi et à pour admettir te roto no taone i opayat i maua tata hoe et tout ei ouvai traité mais te ro ama itere mata moi et te ama ta moi traité mais ara we tato ite hari tato ya Ingrid vohi Oui, merci Davidson. Juste en face de nous, tu l'as reconnu, bien sûr, Taroua
Dubois qui a également remporté plusieurs médailles d'or au championnat du monde de vitesse tarois. Dubois qui marque son retour en ayant remporté en début d'année donc la course de Air Tahiti. Et là il est rattrapé donc par Tupuria King, juste en fond. Tupuria King donc qui est actuellement en train de batailler pour gagner une place. À l'avant de cette course, il y a les deux enfants du berceau du Va'a de Meirenui, à savoir Hititua Taerea et Kyle Tarofo. On ne les distingue pour l'instant pas très bien puisqu'ils sont un peu plus en avant par rapport à notre bateau, mais vous voyez qu'ils ont des capes assez séparés les uns des autres. Mais comme je le disais déjà sur le premier tour de circuit, ils vont bientôt avoir leurs capes qui vont se rejoindre très prochainement. Allez, on est toujours avec les champions à l'avant et puis Kevin André qui essaie de revenir. Je voulais vous montrer la différence de plan d'eau à l'avant et à l'arrière. Regardez Kevin, qu'est-ce qu'il fait? Il surfe tout le long et ça c'est dû aux vagues de bateaux. Regardez, vous avez vu tout à l'heure, eh bien Steve Teshotata a ramé devant. Il ramait et il surfait des vagues naturelles. Et là, c'est la fameuse washing machine avec les 50 bateaux qui crée donc cette houle. Et puis les Aito, c'est vrai que c'est pour un commun des mortels, un rameur du dimanche, c'est dur bien de négocier des vagues comme ça. Mais vous regardez les champions, ils savent très très bien surfer. Regardez Kevin qui accélère et qui va tomber dans le creux et qui va maintenir sa pirogue. Regardez la vitesse de la pirogue maintenant. Il suffit de maintenir et c'est comme ça depuis tout à l'heure. Et ce sera pire tout à l'heure à la sortie de la passe, surtout de Haroué. Voilà ce que je voulais vous montrer avant, Mermaid, de me placer dans le chenal puisque les bateaux seront bloqués normalement à l'entrée du chenal de la pointe des Sapins. Voilà Olivier ce que je voulais donc apporter comme précision, le surf à l'arrière avec les vagues de bateaux. Et on te rejoint André normalement dans quelques minutes à la passe du Taonné pour cette course exceptionnelle les amis sur Tahiti Nui Télévision. Il reste allez quoi 20 minutes, un peu plus de 20 minutes de course, une demi-heure de course pour connaître le champion de l'édition. Vous le voyez 2018, vous le voyez à l'image, c'est Steve Teshotata qui arrive en fond là-bas dans la passe du Taonné Davidson et qui va entrer le premier avec allez quoi 50-80 mètres d'avance sur ses deux poursuivants, Kevin Serrant, Jérusalemi et Steve Teshotata. Vous le voyez sur cette image aérienne, Steve Teshotata qui pour l'instant mène la course. Oyamo Olivier, Teme, Teyeya, Tata Huo, Steve Teyotata, Tomu, Arua, Taruana, Teo, Tuir, Teyeva, No Taone, Oya, Tata Huo, Mata, Muarua, Iru, Teyeya, Huera, Murimai, Horumetramai, Murimai, Teye, Aito, Kevin, Serang, Jérusalem, Teye, Tureyat, Onetanawa, Tefahene, Temu, Are, Are, O Temu, Poti, Huara, Not Fuhira, Mai, Inya, Ite, et Steve Teshotata Mike Taitana Tana Hue et Meito Ito Mike Tino et Taime et Umeme Ate Tupura et Roto Yahapoman Rato Ya Ite Ya Oa Ya Kataro Ha Kataro Tiamo Steve Teshotata et Tano Nyet in Poito Tete Wati Teiwao Teiaito Iruto Tiava no no Taone Irite Te Einune Te Pope Teme no Te Mahar Iterhirhei Teme Hamatat Imoa Feyat Efeahoe Ite Turei Ite Huyatu Inya Ite Oa No Matavai. Allez, on voit Steve Teshotata qui vient de passer, le champion est en tête pour l'instant, le vainqueur du Teito 2011-2012 fait la loi pour l'instant dans ce Teito édition 2018 puisqu'il avait pris la tête lors du premier tour. Il s'était fait rejoindre à la pointe Vénus et il a recreusé l'écart. Voilà, il est en train de se ravitailler, vous le voyez en train de replacer son canal bag et va entamer bien sûr la passe, le petit couloir bien sûr dans le lagon juste derrière. Comme on vous le disait, il y a quelques vagues mais c'est bien. En deuxième place, Kevin Serrant Jérusalemi qui se bat également et qui avec Ami Damas tente de revenir. On est avec André pour cette deuxième place. Donc voilà, on est obligé, Olivier,
de rejoindre notre chenal. On passe devant Steve Teshotata qui a pratiquement plus de 50 mètres, un peu plus même 80 mètres d'avance sur Kevin. C'est Kevin qui est passé second à l'entrée de la passe du Taoné. Je vais dire à Thomas, Thomas, let's go. Sinon, on va faire des vagues, on va respecter. Eh bien, ces champions, on va se placer de l'autre côté du chenal. Olivier Davidson, à tout à l'heure. Foncez, foncez André, pour voilà, on vous voit passer juste devant. Prenez une large avance loin devant les VAA pour pouvoir les attendre à la sortie de ce chenal. On va rester nous avec Ingrid qui est avec les différents VAA. Le top 10 qui passe également la bouée en ce moment même. Oui, effectivement, donc le trio de tête n'a pas changé en quatrième position. Pourtant, c'est Manute Amillon qui prend cette quatrième place pour l'instant, suivi de très près par Hotuiter et Poreuil, qui a réussi donc à maintenir sa place dans ce top 5. Et en sixième position, on retrouve Hititua Taerea. C'était les images précédentes qui nous avaient fait quelque peu peur, puisqu'on voyait au coude à coude Hititua et Hotuiterei Poreuil qui bataillaient donc pour arriver en premier à la balise rouge. Finalement, Hotuiterei s'est mieux défendu que Hititua et a pris une petite avance. Ah, et puis à l'image, hein, vous avez toujours avec sa pirogue rouge Steve Teshotata, vainqueur en junior en 2009-2010, vainqueur chez les Open en 2011-2012. Ben, il était en forme hein, depuis quelques mois déjà. Sauf erreur de ma part, il n'a pas fait les championnats du monde de VAA. On l'a pas vu sur ces championnats du monde, donc il est frais par rapport à quelqu'un comme Kevin qui s'est entraîné spécifiquement, notamment sur la vitesse. Et ça n'enlève rien à la performance de Stevie Boy, qui est vraiment exceptionnel aujourd'hui puisqu'il maîtrise, il demande rien à personne, hein, il part devant, il réfléchit pas et il montre sa puissance. Exactement, et c'est ce qui nous montre là. On voit à son coup qu'il est vraiment très très à l'aise, très en forme, comme notre ami André nous le disait depuis tout à l'heure. Un coup assez rapide mais très appuyé lorsque justement la lame, cette cuillère de la rame rentre dans l'eau. Il nous montre bien sa forme actuelle et très très à l'aise ici dans ce chenal de la pointe des sapins là qui va passer dans quelques instants. Stevie Boy qui a quasiment 80 mètres maintenant hein, d'avance sur Kevin Serrant-Jérusalemi, mais rien n'est fini. Il reste une bonne demi-heure, je pense, de course. Tout va se jouer dans cette remontée dans le lagon de Haroué, juste devant l'engeance, ce Torrois de Haroué, sortir par la passe du tombeau du roi et enfin se placer vers la pointe et surtout les falaises du Tahara pour remonter petit à petit sur donc cette pointe à Vénus. Allez, vous allez le voir, hein, Stevie Boy qui est en tête avec son VAA rouge suivi de très près, vous l'avez vu sur l'image d'avant, par Kevin Serrant-Jérusalemi. Ami Damas n'est pas très loin, la troisième place. On va vivre un finish dans les 20 prochaines minutes, exceptionnel. Mais juste avant ça, les amis, on en profite avant d'avoir ce combat pour ce retour sur ces images de Kevin, de faire un petit tour par la régie publicitaire en télévision, en web. On reste en direct sur la course, mais revenez dans un petit instant et surtout restez avec nous pour la suite de cette grande course. A tout de suite. Vous êtes toujours en direct sur la plateforme web de TNTV, sur YouTube et également sur Facebook TNTV pour suivre avec nous cette course exceptionnelle à l'image. Kevin Serrant-Jérusalemi qui est à la chasse derrière Stevie Boy. Il avait réussi à le rejoindre lors du premier tour avec Ami Damas. Pour l'instant, vous le voyez, se ravitaille avec ses fameux camel bags, hein, ce tuyau, petit tuyau qui leur apporte une boisson de l'eau ou une boisson énergisante. Mais en tout cas, Ami Damas n'est pas très loin avec son maillot rouge. Vous venez de voir à l'image, il est à la troisième place. Le dossard numéro 2 qui avait terminé justement deuxième l'an passé. C'est pour ça qu'il a le maillot rouge. Le numéro 1 depuis 4 ans, c'est Kevin Serrant Jérusalemi, mais en ce moment, depuis plus d'une heure, 1h40, un homme est en train de les impressionner. C'est Stevie Boy qui tient la première place.
Humea tātounia i tēnei a Hoera, a Tumok Tāne, i nei a irutui te roto no Arwe, te ie o Steve Tehiot Ata tō Muaroa, au metera te ie whata enei a Steve e o Kevin Seron Jerusalemi, i te anai e kito parahoe a te ie whia hoe e ere i te mea o hi e tō pāri te hoe a te ie mau aito, harmai e nye te tiar aturu te ie aito ami Damas, Teti Aramha, na Manu Te Amion, et tine tato, et tine mohoa, ho Twitter, ei por oite ye, e o atura, iroto, ite nei roto, noarwe, et te aono, na te eito, no tautira, o hititua taerea. Et on vient de voir à la cinquième place, un poroi, o tui, terei, qui, voilà, pour l'instant, réalise une superbe course, hititua taerea, et sixième, vous le voyez sur ces images, il avait terminé vice-champion du monde sur 500 mètres, juste derrière Kevin Seron Jerusalemi. Il a d'ailleurs perdu son record du monde de la, voilà, sur la distance qu'il détenait depuis 2016. Manutea Mion est pour l'instant à la 4ème place, 3ème Ami Damas. Kevin Seron Jerusalemi est toujours 2ème et c'est bien Stevie Boy qui est en tête. On va dans un petit instant rejoindre André, mais on attend un petit peu de récupérer l'antenne en termes de télévision, puisque vous êtes toujours en direct sur le web et sur YouTube. À la télé, on a fait une petite page de publicité, mais on revient dans 20 petites secondes à l'antenne. Voilà, on voit actuellement Tarois Dubois qui est toujours dans le top 10 et qui revient bien. On a une superbe course, restez avec nous puisque bien sûr il reste quoi, allez, une vingtaine de minutes pour connaître le champion de l'édition 2018, les amis, dans cette grande course du Open Men du Teito. Voilà, vous êtes toujours sur Tahiti Nui Télévision pour la suite de la course. On va en tête avec André Vohy. André, est-ce que notre ami Stevie Boy mène toujours la danse? Tout à fait. Est-ce que tu m'entends, Olivier? Puisqu'on a essayé de se placer un peu plus en retrait par rapport à la mauvaise réception de tout à l'heure. Tu m'entends? Parfait. Olivier? Super. Ok, super. Donc, toujours Steve Teixotata qui commence à se rapprocher de notre bateau. On voit d'ailleurs que derrière, ils n'ont pas lâché prise et que je pense qu'ils écoutent, on dirait TNTV. Il y a un peu moins de bateaux là actuellement dans le chenal, Myanmar, dans le chenal. Donc c'est vraiment man to man avec Steve qui a allé toujours. Je pense que Kevin est revenu un tout petit peu à gagner du terrain, mais c'est bien Steve Teixotata. Je vais prendre ma caméra pour zoomer. Ouais, c'est toujours Steve Teixotata qui a le même coup de rame et qui mène toujours cette course. Deuxième, comme je le disais tout à l'heure, dès l'entrée dans la baie du Taoné, eh bien, c'était Kevin Seron Jerusalemi qui est passé devant Ami Damas. Steve passe à l'instant. Steve passe à l'instant devant notre bateau. Il est frais, cela se voit. Il est bien. Il continue donc ça à remonter. Il garde un coup de rame, on va dire, un peu moins rythmé que tout à l'heure, mais le pari est là. Donc on sent qu'il tient le coup. Là maintenant, c'est Kevin Seron Jerusalemi qui passe aussi devant notre bateau. Toujours également le même coup de rame, pas d'accélération réellement pour ce Aito. Voilà à l'heure actuelle ce que l'on peut dire. Et Ami Damas qui est à au moins 30 mètres derrière notre Aito, qui est Kevin Seron Jerusalemi, le détenteur du maillot jaune, donc vainqueur l'année dernière. Après Ami Damas, il y a carrément un gap, comme on dit, dans le monde du vent, une sacrée distance, peut-être un peu plus de 80 mètres. Et on retrouve Manutea Mion. Et derrière Manutea Mion, peut-être à 70 mètres, on retrouve les autres Aito comme Hotuiter, Ei pour Ei. Voilà, Mema. On va essayer de placer maintenant notre bateau avant la sortie de la passe de Harwe, où tout va se jouer, où tous les bateaux suiveurs seront placés. Et c'est peut-être là que tout peut basculer, malgré l'avance de Steve Teixotata, car comme je le répète, une petite vague, une belle vague peut faire gagner plus de 20 mètres, 15 à 20 mètres aux rameurs qui surfent. Alors, en tout cas, c'est bien parce que pour ce deuxième tour, nombreux bateaux ont respecté le chenal. Et on voit sur ces images, Kevin Seron Jerusalemi est revenu à la force des bras.
à une vingtaine de mètres maintenant de Steve Teixeira qui garde cette petite avance. Elle peut suffire pour gagner le Teito 2018. On le voit, Steve qui est frais, qui nous montre toute sa classe aujourd'hui en allant en chercher. Il ne se colle pas derrière, il ne cherche pas l'aspiration, il ne calcule pas, il va à fond devant et il essaie d'impressionner ses concurrents. On pousse et on va chercher cette victoire. Yomaina Teemauhoa et Tamar Irarumat Eiteye, Tamar Irarumat Ei, au Steve Teixeira no Poporahoi et au Kevin Serange, les amis, no Huahine, Ateye, Maueto et Tureine, Irotoite, Hap Omar, Atehei Atura, Inyeiteoa, no Matawei, Tapeatuei, Itiotue no Tefauroara, a Pouai, pouai, mente, e me a pari te hoi, a te e mau eto, a hio nome, a te e mau hoho a, a ue te a ue, a hio an, a te e mau, a te e fei a hoi, e i roto e te ne hoi, a te e to piti tau tini, a huru mau au. Ouais, superbe, la horde des 500 rameurs en open sur la gauche de votre écran qui viennent dans la baie du Taonnet, même si les images sont à contre-jour, elles sont magnifiques avec tous ces champions qui également vont boucler les 24 km de cette course. Vous le voyez sur ces images aériennes, les écarts sont simples. Steve Teixeira en première position, une quinzaine de mètres derrière, 20 mètres derrière, c'est notre ami Kevin Aminama, c'est troisième. Il n'a pas dit son dernier mot pour la première place également. On retrouve Ingrid Vouy qui est toujours également dans le top 10. Ingrid. Oui Olivier, effectivement, donc maintenant un petit changement quand même juste derrière ce trio de tête puisque Hiti Toa a enclenché son turbo et qu'il vient de dépasser donc Hot Twitter et pour eux, il se positionne maintenant en cinquième position. Hot Twitter est toujours en sixième position, suivi de très près par Kyle Taroufou. On sait que Kyle est un rameur très puissant, donc la remontée, on peut dire que c'est son élément. Donc Kyle Taroufou, que nous sommes très contents de retrouver sur les devants de la scène puisqu'il avait été quelque peu absent. Donc Kyle Taroufou qui revient au sein de son club de Air Tahiti. Voilà donc Kyle Taroufou qui accélère, hein, qui accélère pour tenter de rattraper ses poursuivants. Avec Kyle Taroufou qui est pour l'instant aux alentours de la 7e place, hein, juste derrière Otui Terei Poro qui est à la 6e place. Hiti Toa Taela vient de repasser à la 5e et Manute Amillon est 4e. Et tout ce petit groupe a quelques longueurs derrière ce trio de tête que vous voyez à l'image, Davidson. Kyle Taroufou qu'on apparente souvent, on l'appelle très souvent le Spartiate. C'est un grand gaillard à 2m85 à 100 kg. Un rameur de 100 kg que vous avez en face de vous et qui est dans le peloton de tête. C'est juste énorme de voir. C'est un gars de Tautira. Chapeau bas au rameur de Tautira et de Rarumat. Hey, représenté ici par Steve Teixeira dans cette en avant-course. Steve Teixeira qui nous vient de Bora Bora. Les Rarumat à l'honneur ici dans cette Kevin. Course. Et Huahine pour Kevin. Allez-y. Allez, on est toujours, vous le voyez, à l'avant de la course avec ces images alors qu'on aperçoit le Dossard 155 pardon, qui est avec nous. Il s'agit de Oututoa le Noir qui passe voilà, juste devant. Alors là on est un petit peu plus à l'arrière de la course, on est sur nos caméras qui sont à terre pour pouvoir suivre également cette course avec les poursuivants. On est André, est-ce que tu nous entends? Oui, je allez, suis là. On est toujours avec Olivier. Toi et on voit que Kevin s'est rapproché. Il y avait 20 mètres, maintenant il n'y a plus que 3-4 mètres entre Stevie Boy et Kevin qui est juste derrière. Yama, le combat va commencer. Le combat, le vrai neck-to-neck, c'est-à-dire pratiquement côte à côte, l'écart entre les deux Aito, vous le voyez avec ces images drone, moi je le vois parce que je suis sur le plan d'eau un peu, on va dire, encore quelques mètres et je pense que eh bien, Kevin va pousser son attaque et on attend surtout l'extérieur de ce lagon de Haroué pour voir comment eh bien, ces Aito vont négocier les vagues. Surtout les vagues de bateaux. En attendant que vous ne passez l'antenne, eh bien, j'ai compté, je me suis amusé à compter les bateaux qui attendent dehors pour suivre ce combat. 52 bateaux à l'extérieur donc de cette passe de Haroué alors que nous voyons
eh bien Steve, avec un mètre d'avance sur Kevin Serron Jérusalemi. Et le combat, le neck-to-neck continue. Et on attend, comme je l'ai dit, la sortie de passe. Et on voit également que Ami Damas est à peu près à une quinzaine de mètres derrière. André, on sourit un petit peu au post-com parce que vous êtes nombreux à nous suivre sur Internet et certains mettent des commentaires qui sont plutôt sympas. On a Vaiana Teriero Eriterei qui nous dit « En jaune, c'est Pac-Man qui a faim ». Et ben, c'est un peu ça, entre guillemets. Il y a la boule jaune, qui est Pac-Man, qui est en train de revenir sur Steve Teixeira. Teixeira, quelle belle image qui nous fait un petit peu sourire au post-com. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a une superbe course avec Ami Damas qui est juste derrière en embuscade, André. Et oui, là on voit quand même que les Aito font le first forcing et surtout Kevin. Là vous voyez sur ces images qu'on est entré eh bien, dans ce fameux chenal où il y a du vent. Où il y a du vent, je pense que vous l'entendez également dans mon micro. Donc on va demander à Thomas de se rapprocher du combat parce que là, eh bien, Kevin a commencé à se rapprocher. Mais on a vu également eh bien, la réaction de Steve Teixeira. Steve Teixeira qui résiste, qui veut montrer également qu'il n'a pas fait tout ce travail, c'est-à-dire l'idée, la course, pour se faire dépasser. Myanmar, cela va se jouer dans quelques instants. Myanmar, là, les deux Aito sont dans le monde de combat. Là, les deux Aito veulent le titre suprême. Il y a 54 courses dans l'année ici à Tahiti, mais il y a un seul des Aito. Il y a un seul championnat du monde Vahoe dans la tête du Polynésien. Et c'est le Teito, c'est la course d'aujourd'hui pour ne pas avoir de regrets demain. Myanmar, le combat dans la tête, le choc des titans, ça se passe aujourd'hui. Et ces deux Aito là sur le plan d'eau nous le révèlent actuellement, attaquent actuellement de Kevin. On va demander à notre copain Thomas. Thomas, t'as pris. On va essayer de voir. Attention également à Ami Damas. C'est vrai, il a vu Ami Damas, mais là, les deux Aito devant sont pratiquement côte à côte. Olivier Davidson. Ah, superbe combat. Et là, on en parlait tout à l'heure, on a évoqué sur la descente des vagues et tout, mais là il n'y a plus question de vagues parce que les deux rameurs sont côte à côte depuis le début de ce chenal. Ils sont revenus et là, peu importe les vagues, ça sera le meilleur qui va gagner entre Stevie Boy et Kevin CG pour l'instant avec cette course qui bat son plein et ses 24 km qui sont bientôt terminés. Il reste encore, vous le voyez, la pointe Vénus qui est tout au bout là-bas. Il reste encore, André, quoi, 3-4 km? C'est ça, il reste 3-4 km. On doit passer les falaises du Tahara et ensuite donc rejoindre la bouée vers le coin, vers la partie Tatei de la baie de Matavai, vers le bas. Et là, eh bien, ce sera la dernière ligne droite. Même la course se joue actuellement. On va se placer. Et vous, je vous repasse le micro, je vais placer mon bateau pour ne pas faire de vagues. Et puis à reprendre les commentaires. À tout de suite, les gars. Ouais, merci, on le voit, vous êtes toujours sur TNTV, bientôt 2 heures de course en haut. Alors on le rappelle, le record, enfin la base du temps de l'année dernière, le départ avait été donné différemment, puisque c'était lors du cadre des championnats du monde, le départ avait été donné en face de la passe du Taonnet. Donc on n'est pas sur les mêmes temps, on sera sur des temps d'à peu près 2 heures, plus sur le record de 2016. Mais c'est pour vous donner une petite idée de ce qui va se passer. Vous le voyez, à l'image. En jaune, Pac-Man, comme certains l'ont surnommé sur notre compte Facebook, Kevin Serron Jérusalemi, 4 fois vainqueur d'affilée des dernières éditions du Taito, face à un homme qui a faim, un homme qui a lidé quasiment toute la course, Stevie Boy, Steve Teixeira, Deborah, les Raromate qui sont en tête. Ira rumat ia temu temar ira rumat itie e imuarua ume iro tepuna aito epiti o Kevin Serron Jérusalemi ia aio noana ti va epiti Kevin raua o Steve te Tūrei nei, hapuei nei tarāua hoi rā, pāri te hoi, i roto i tēne hapau marā hare te atu i te maua i Tahara. O tina, hare roa tu i roto i te oa no Matawai, hare roa tu i te reini i hopea i te otue no te whaurua. Ahi ono ana te e mohoa, ere i te mea, ere te meau. Ingrid, c'est à toi, on est avec toi juste à la poursuite également du trio de tête.
Et oui, à la poursuite du trio de tête, toujours Manu Théa Mion qui fait quelques accélérations donc pour profiter des conditions qui se présentent à lui. En tous les cas, il a en point de mire ce maillot jaune juste devant lui et ce maillot bleu de Steve Teicho Tata, alors que Amidama est un peu plus sur la droite. En tous les cas, Manu Théa Mion ne lâche rien. Il faut rappeler qu'ils ont quand même déjà avalé plus de 20 kilomètres. La délivrance se trouve juste au terme de ce tronçon d'environ 4 km. En tous les cas, on peut dire qu'il conforte sa quatrième place puisque ses poursuivants qui ne sont autres que Hititua, Hotwitter, Hey, Kyle. Il y a également Kevin Quider et Tarwa Dubois et Tupuriaki. Déjà que ses poursuivants sont à un peu plus de 60 mètres derrière lui. Donc on peut dire que Manu Théa Mion tient bon pour l'instant en quatrième position. Ouais, moi en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le meilleur gagne parce qu'on est à 2 heures de course et on a un combat exceptionnel. Et pour l'instant, à l'avant de la course, on a toujours Kevin Serrangerusalemi, Steve Teixeira qui mène la danse. C'est lui qui mène le bal depuis le début de la course, André. Et il est poursuivi par Amidamas en troisième position et Manu Théa Mion qui revient, André. Ouais. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est la grande forme de Steve. Vous avez, je pense, manqué les deux attaques de Kevin Serron et Jérusalemi dans cette remontée. Steve Teixeira a encore du répondant, mais je sais que Kevin Serron, Jérusalemi, grand technicien, n'a pas non plus baissé les bras. Là, on voit Steve encore avec un pas d'avance sur Kevin Serron, Jérusalemi. On est un peu essoufflé parce que ça bouge de partout. On est obligé de s'accrocher. Les pirogues sont côté Tatei, côté plage. Alors que tous les bateaux, j'en ai compté plus de 50 tout à l'heure, sont vers le haut. Je pense qu'au niveau de ce combat, de ce neck-to-neck devant, ils ne sont pas gênés les deux Aito. Donc on va dire que c'est un combat à réglo. C'est un combat vraiment en respectant les règles du jeu là. Toujours Steve Teixeira qui voit l'attaque de Steve Teixeira qui a vu l'avant de la pirogue de Kevin Serron Jérusalemi. Il ne veut pas laisser passer. Eh bien, comme tu dis, Pac-Man avec son t-shirt jaune et l'attaque. Attaque de Kevin Serron Jérusalemi qui veut prendre la tête et qui prend actuellement la tête de la course. On dit à Thomas de freiner un tout petit peu pour pouvoir voir ce combat. Et on dit choc contre les deux pirogues et Steve repasse devant. Il y a également Steve qui nous dit de pousser notre bateau. On demande à Yannick de pousser un tout petit peu. Et voilà ce qui se passe donc actuellement. Ça crie de partout en tous les cas. C'est chaud. Super combat en tout cas avec Steve. Et on a vu Kevin qui est venu taper un petit peu le hama de Steve Teixeira. Et on a vu Steve qui a levé les bras, levé la main pour s'excuser justement du choc. Oh, qu'est-ce qui se passe avec on dirait que notre ami Kevin Serron Jérusalemi s'est arrêté. André, on est avec toi. Qu'est-ce qui se passe avec Kevin? Je pense qu'il a reçu une vague. Qui a rempli sa pirogue, je ne sais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il s'est arrêté là, il accélère, ça a profité à notre ami donc Steve Teixeira qui a pris un peu plus d'avance, environ une trentaine de mètres d'avance. Même il y a tellement de monde sur ce plan d'eau côté bateau, ça dit là où nous nous trouvons, qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire réellement, comment placer notre bateau. Et vous savez bien sûr, dès qu'il y a une vague sur le plan d'eau, on dit que ce sont les médias et bien sûr TNTV, mais ce n'est pas forcément vrai. Allez, en tout cas, on voit sur ces images que avec son va-à rouge, Steve Teixeira mène toujours la danse. Kevin a repris l'intérieur, mais il y a Amidamas, regardez à droite de l'écran. On va demander à notre caméraman Nari de panoter un petit peu au fond là-bas à droite. C'est bien Amidamas, il n'a pas dit son dernier mot, il est toujours en troisième position au fond avec son maillot rouge. Et puis il y a Manu Théa Mion qui est en quatrième position également. On va retrouver Ingrid qui est juste derrière. Ingrid.
Et oui, la surprise maintenant vient de Kyle Taraufau qui n'a fait qu'une bouchée de ses deux adversaires, à savoir Hititoa et Hot Twitter A pour eux, puisqu'il était à la 7e position et que maintenant il est à la 5e place. Voilà donc Kyle Taraufau, comme je le disais tantôt, un sacré colosse, hein, un titan, on va dire, qui est très puissant dans cette remontée et nous le prouve maintenant. D'ailleurs, je vais demander à notre cadre Serge de panoter juste sur la droite. Nous voyons Hititoa Taerea qui essaye de refaire son retard alors que Hot Twitter pour eux, lui perd de plus en plus de place. Hot Twitter pour eux qui prend pour l'instant la 7e position. Oyama Wingrid a été aimé, Maitawe Faitihora, Wahoimeya, Teito, Anoto Tira Kailtaro Fawi, Nyaye, Tetiar Ape, Maitawe Prohora, Hermeye, Nyaye, Tetiar Ono, Teito, Atoa, Anoto Tira, Hititua Taerea, Hititua Taerea, Nyaye, Tetiar Ono, Hermeye, Nyaye, Tetiar Ahitu, Teito, Hotuite, pour eux. Allez, il nous reste moins d'un quart d'heure de course pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant et bientôt 15h. Eh bien, vous êtes sur la 31e édition du Teito qui avait été lancé en 1988, il y a près de 31 ans. Et ben aujourd'hui, c'est Steve Teixeira-Tahata qui mène la danse devant Kevin Serrant Jérusalemi qui a remporté 4 fois le Teito ces 4 dernières années, qui est à la chasse à la 2e position. Ami Damas est en 3e position. Notre ami Millon, Manoutea Millon est pour l'instant 4e. Et on retrouve à la 5e place, vous venez de le voir avec Ingrid, Karl Taraufau. Vous le voyez sur ces images aériennes que Steve Teixeira-Tahata a accéléré, André. Il a vraiment accéléré pour l'instant et il est très bien parti pour cette dernière ligne droite. Stratégiquement, ben on voit quand même que Kevin et puis Ami Damas étudient la course, analysent bien la course. Steve Teixeira-Tahata, vous le voyez, a le cap plus vers l'extérieur des falaises du Tahar. Alors que Kevin, regardez, ils sont partis se protéger. Ils sont partis se protéger vers l'intérieur des falaises du Tahar. Ah, c'est pas pour rien qu'ils ont changé de cap. On va dire que Steve a subi de plein fouet et bien le vent de face environ 25-20 km/h devant, alors que Kevin, regardez, il y a une différence de vitesse entre eh bien Kevin qui semble maintenir la vitesse de son A tout simplement parce qu'il n'y a pas de vent, il est parti se protéger vers les falaises du Tahara. Ils seront obligés maintenant de remonter, de revenir vers le cap de Steve Teixeira-Tahata. C'est pour ça que je dis Steve qui est en train de se ravitailler là actuellement. Eh bien Steve est vraiment fort, Steve est vraiment prêt. Regardez, depuis tout à l'heure, il mène eh bien cette course. Et là, les bateaux voient, eh bien le bateau voit que ça peut se jouer à une seule vague. Donc ils sont tous revenus vers l'extérieur et on laisse les Aito eh bien faire leur course entre eux et Steve. Regardez, Steve maintient sa vitesse. Maintient sa vitesse malgré le fait qu'il soit face au vent. Voilà ce que je peux dire. Donc actuellement pour l'analyse de cette course, ce n'est pas encore terminé. Mais on sent Steve Teixeira-Tahata bien à l'aise. Si on va dire qu'il joue le jeu, les bateaux suiveurs jouent le jeu, et bien voilà ce qui va rester sur le plan d'Omiama. Allez, on voit sur ces superbes images les falaises du Tahara qui sont en train de se dévoiler sous les coups de rame de Steve Teixeira-Tahata qui mène la course du Teito 2018 devant Kevin Serrant Jérusalemi, Ami Damas et Manoutea Millon. On rejoint Ingrid Vohy qui est à la poursuite également de Seito. Et oui, en 9e position, je vous le disais tout à l'heure, Tarois Dubois donc qui a pu dépasser Tupuria King que l'on ne voit plus pour l'instant dans notre sillage. Mais juste derrière lui, sur son va à mauve, j'aperçois donc Nariterei, sociétaire de Tamari CPS, qui de la 15e place est passé à la 10e place maintenant. Donc voilà, cela bouge beaucoup, on va dire, hein, dans ce top 10.
capitaine. On essaye de repérer quand même Tupuria King qui est le premier étranger de ce Teito. En tous les cas, ils sont nombreux à avoir participé à ce Teito des étrangers qui avaient profité de leur séjour pour participer au championnat du monde, au Heiva et maintenant au Teito. Mais on peut dire quand même que les Tahitiens sont au top dans le Va'a du côté des hommes. Daroua Dubois donc en 9e position, suivi de Nari Terey dans le top 10. Voilà, une petite précision également grâce à Alain qui nous envoie ce petit commentaire. Hein, c'est Damas Ami, hein, c'est Damas son prénom, Damas Ami. Donc on va dire l'inverse, comme on le fait pour Kevin, comme on le fait pour Steve. Damas Ami qui est en 3e position. Merci Alain pour ces précisions. Et puis certains demandent à ce qu'on suive un peu plus les 500 autres rameurs, mais c'est juste impossible. On n'a que 2 bateaux sur cet événement. On n'a pas les mêmes moyens que sur le Tour de France, hein, où ils ont une dizaine de motos. Et donc voilà, on le fait au mieux pour pouvoir suivre en tout cas le top 10 et puis vous montrer un petit peu le reste des rameurs. Mais on reviendra sur ces autres rameurs tout au long de la course, puisque après l'arrivée des premiers, on restera encore une bonne vingtaine de minutes pour voir l'arrivée de tous ces super concurrents qui auront bouclé les 44 km. On est toujours devant la falaise du Tahara qui est juste devant nous et André nous fait le point sur la tête de course. Voilà, on vient de passer les falaises. Cela a été difficile pour nous de passer devant tous les bateaux. Et là, je pense qu'on a dépassé les 60 bateaux. Toujours Steve Techo Tata devant. On remercie quand même tous les pilotes qui respectent le combat. Steve est à l'aise devant, mais la menace Pac-Man est toujours présente là derrière, environ à une trentaine de mètres. Nous passons à côté de Steve Techo Tata. Je m'en remets bien sûr à mon pilote Thomas pour regarder les vagues, surtout Manute Amion. Manute Amion qui semble revenir sur le troisième qui est Ami Damas à l'heure actuelle. On a les yeux rivés. On a les yeux rivés sur Steve. Steve en super forme. Là, c'est moi qui vous le dis. En super forme aujourd'hui. Et qui peut, mais c'est pas encore fini, mais qui peut remporter cette course. Car Miama, il a du répondant. Là, j'ai vu Kevin Serran à Jérusalem. Il lâche un tout petit peu, récupérer un tout petit peu pour peut-être lancer son attaque. Alors que devant, eh bien, Steve, lui, n'arrête pas. Regardez. Steve continue d'accélérer avec sa pirogue. Marc Tehuritawa, je sais que ça n'a pas été facile pour lui de gérer toutes les vagues de bateaux qui venaient l'encourager et qui donnaient du surf à ses plus proches poursuivants. Mais regardez la forme de Stevie Boy qui va bientôt arriver à la bouée, donc qui va lancer la dernière ligne droite. Et regardez Steve après 2 tours, presque 28 km de course, toujours frais, toujours en forme, devant à une trentaine de mètres de l'autre Aito qui est bien sûr Kevin Serran Jérusalem, et toujours dans son sillage. Voilà les gars, voilà les amis, voilà la Polynésie, ce qui se passe actuellement sur le plan d'eau avec Steve devant et surtout bien préparé pour garder cette première place, les amis. Timua tatoua ite i mo matu tarire no tara eto muarua te ia eto Steve te hiu tata me tau to itera inyete neia mau hohoa te teia o tupuriaking te itahuri i muanua i te tara Ingrid faite mena o tupuriaking hoa. Ah non Ingrid, pour l'instant on a perdu Ingrid, mais on n'a pas perdu cette image de Tupuria King qui vient de chavirer juste devant nos yeux sur les falaises du Tahara. Il était toujours dans la lutte au top 10, Tupuria King qui va perdre au moins 2 ou 3 places facilement dans ce à cause de ce dessalage. Ingrid, on est avec toi. Et oui, donc comble de malchance pour Tupuria, donc qui vient de perdre quelques places, puisque vous l'avez vu, il a chaviré, donc il avait choisi de longer au plus près les falaises du Tahara. Et là, je pense que ça arrive, hein, comme on le disait, Tupuria a chaviré, mais ça va, il a perdu pour l'instant 2 places, il essaie de faire sans retard. En tous les cas, on peut dire que derrière, ses adversaires n'ont pas perdu de temps et reviennent très rapidement sur lui.
Allez, tout pour Yakin qui passe devant ces magnifiques falaises avec les petites grottes. Voilà pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller en bateau ou en va de ce côté-là. Vous redécouvrez notre Fénois, qu'il est beau, qu'il est naturel sur ces falaises du Tara avec notre ami de Nouvelle-Zélande. Tout pour Yakin, toujours dans le top 10, mais on va basculer sur la gauche de l'écran. Vous le voyez avec Steve Teixeira et André, puisque ça revient derrière Steve Teixeira qui va arriver dans les derniers kilomètres, André. Voilà donc la bouée, la première bouée qui va marquer la ligne droite vers la pointe Vénus. Va bientôt être à côté de ce champion, on va bientôt virer, on va bientôt préparer ce virage avec toujours une belle avance. Ça, on peut dire que c'est une belle avance pour ce Aito Steve Teixeira sur son va orange qui a mis en difficulté, on va dire, Kevin Seron-Jérusalemi. Kevin Seron-Jérusalemi qui se fait rattraper, Myanmar. Voilà l'analyse actuellement, la nouvelle info, qui se fait rattraper par Manoutea Mion à l'instant même. À l'instant même, Manoutea Mion va passer Kevin Seron-Jérusalemi qui est actuellement deuxième, alors que Steve avec son avance, on va dire de 40 mètres, qui est suivi par tous ses supporters. Là, on voit Marc Tehuritawa est bien parti pour démarrer en premier. J'ai pas dit bien parti pour gagner parce que tout est possible, mais avec cette avance, c'est quand même avantage pour Steve Teixeira. Steve qui peut gagner ce Aito s'il le gère bien, ce dernier tronçon de course. En tous les cas, on va le suivre. En tous les cas, ce qu'il faut préciser, Olivier, c'est que Manoutea est revenu sur la deuxième place avec Kevin. Ouais, on le voit sur ces images aériennes. L'accélération de Stevie Boy. Steve Teixeira qui gère cette course de main, de mètres avec nos confrères juste devant de Polynésie Première qui sont également tout proches de l'action. Mais c'est bien Steve qui se dirige vers la première place. Voilà, on le voit accélérer. Il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Il a leadé la course depuis le début. Il s'est fait rejoindre au moins deux fois, mais il a accéléré, il a montré sa puissance. Et derrière, ça revient pour la deuxième place. On l'a vu avec Manoutea Mion qui est revenu sur Kevin Seron-Jérusalemi et sur Damas Ami. Oyamawa Olivier Tehiara Steve Teixeira Tomuaro Wai Nene Mete Toito Mete Kitino Tene Aito Steve Teixeira Te Turai Wahone Hap Ai Wahone Tana Topan Ahoy Not Mea Aita Hoy Hinarora Ya Hoy Mai O Kevin Rato Mioma Manutea Mioma Te Murimai Mha Horu Pat Horu Metrai Murimai Yana Eye Ya O Steve Turai Nei Itana Hoy Tana Topan Ahoy Et puis si Kevin Seron-Jérusalemi avec son maillot jaune était comparé tout à l'heure par nos internautes à Pac-Man qui revenait, Steve Teixeira sur son va rouge, il a l'armure de Iron Man et pour l'instant il est bien parti, André, pour aller chercher la victoire. Attention, rien n'est fait bien sûr, mais quelle fin de course de Stevie Boy qui accélère. Ouais, pour moi, Steve Teixeira est bien parti puisqu'il accélère comme tu l'as dit et il a surtout tous les supporters derrière lui qui le poussent à terminer comme il faut cette course actuellement. Il reste la dernière bouée à virer puis ce sera la dernière ligne droite, les derniers 400 mètres avant d'arriver sur la pointe Vénus. Il est bien parti, Mama. Il est bien parti pour remporter cette course aujourd'hui et devenir le Aito 2018. Mais on attend bien sûr les derniers coups de rame. André, est-ce que tu vois qui est à la deuxième place pour le moment? Actuellement, c'est toujours Kevin. C'est toujours Kevin qui est deuxième et Manoutea, on va dire, à 5 mètres derrière Kevin. Kevin veut garder sa place. Voilà, toujours Steve Teixeira qui arrive dans les derniers mètres de cette course. Vous le voyez, il arrive dans la baie de la pointe Vénus. Ici même, il aura encore une bouée de contournement et il arrivera ici sur la pointe pour décrocher peut-être, si ça se confirme, le titre du T-Aito 2018. Rien n'est fait encore, mais il a une bonne centaine de mètres d'avance, Steve Teixeira.
Oye maua Olivier te ostil te hot ata to muarua ho e hanre metra te ye fata enei ya sif te hot ata i te ye aito so Kevin Seranja Jerusalem in ye ye te tiar apiti har mai ye in ye te tiar atoru te aito manu te amia ume ume rei i roto i te nehoera i aura e o stil te hot ata te upot ya mai i roto e matei me ti tato i te Ingrid. Donc, je vais vous donner les 5 places à partir de la 10e place. En 10e position, nous avions Nari Tere, suivi de Charles Tenauri. Il y a eu Tupuria, King, Manari, Flores. Et là, juste devant notre caméra, en 15e position, Ré-Téheb, que nous avions découvert à la 21e place, a réussi à revenir à la 15e place. Bon, ce qui est sûr, c'est que la victoire du Teito pour Ré-Té, ce ne sera pas pour cette année. Mais comme je le disais, c'est un garçon plein de surprises. Il faudra le surveiller puisqu'il a tendance à se préparer, à s'entraîner seul dans son jardin secret de Mateia, donc Ré-Téheb, que l'on découvrira certainement lors du Super 8. Ingrid, on arrive sur la fin de course maintenant avec Steve Teixeau-Tahata. Steve Teixeau-Tahata, vous le voyez, qui arrive dans les derniers mètres maintenant, qui va sans doute remporter la 31e édition du Teito après avoir gagné en junior en 2009, après avoir gagné en 2010, toujours dans cette catégorie des Taorea. Il avait remporté en Open en 2011 et en 2012 le Teito. Le voilà qui accélère. Il va remporter pour une 5e fois dans sa carrière le Teito. Et il aura dominé toute cette course de bout en bout. Ça faisait 6 ans qu'il n'était pas monté sur la plus haute marche du podium sur son bolide rouge. Steve Teixeau-Tahata qui arrive maintenant à une centaine de mètres de l'arrivée ici sur la pointe Vénus où tout le monde s'est regroupé pour acclamer le champion. La plus grande course de Vahoué, la plus belle de cette année en tout cas. Steve Teixeau-Tahata qui a le sourire, qui va remporter le Teito 2018 après plus de 2 heures d'effort. Vous le voyez, regardez, il a le grand sourire, Steve Teixeau-Tahata. Il est à une 20aine de mètres de l'arrivée. Steve Teixeau-Tahata te ye hakataroa i te arenia i te tiara matamo te tia te tiara matamo i te me hakataroa ra te reini hopea e tapehi ai Steve Teixeau-Tahata. Steve Teixeau-Tahata mata oa oa ina o oia te aito piti tawatini ahuruma oi wapoe te ama Steve te me aito no te matenti piti tawatini ahuruma amau. C'est le show de Steve Teixeau-Tahata qui s'impose ici sur la plage de la pointe Vénus et qui remporte l'édition 2018. C'est le champion de cette grande course Open Men au terme de 2h20 de course. La deuxième place pour Kevin Serrange Jérusalemi. Kevin qui termine à la deuxième place, on le voit peut-être sur les images. Kevin qui termine à la deuxième place juste devant Manute Amillon. Vous le voyez enfin sur ces images. Deuxième place pour Kevin qui avait remporté les 4 dernières éditions et troisième place pour Manutea Mion. Kevin Seran Jérusalem Teye Niete Tier Apiti Oteneuera. Allez, attends-toi, Yassel. Merci, c'est qu'une chance humile. Faut toujours essayer de tenter. C'est ce que j'ai essayé. Merci au El Seigneur et toute la famille. Tu as mené la course. Ah, c'est la foire d'empoigne un petit peu à l'arrivée pour recueillir les réactions. Globalement, ça fait presque plus de 10 ans que j'ai pu gagner cette course. Hein. Et bon. Peut-être le fait d'avoir déjà tout gagné étant jeune, hein, ça a démotivé un peu, mais ces dernières années, je suis plus venu faire des voix pour m'amuser. Le fait de voir tous les copains gagner devant moi, le fait d'avoir deuxième, troisième, ça m'a un peu réveillé, quoi. Et bon, merci le Seigneur de m'avoir amené cette première place. Et voilà, c'est juste une question de motivation. Ça tient qu'à toi-même. Comme j'ai dit, toutes les courses que j'ai gagnées, c'était pas contre les autres que je me battais, mais contre moi-même. Il fallait tout simplement que je me décide à regagner. Et bon, cette semaine et ces derniers mois, on s'est dit avec les copains qui me suivent à l'entraînement que bon, cette année, si on peut essayer de finir avec la première place, ça serait super. Merci Seigneur encore une fois. Et voilà. T'as donné cette force, Steve. Voilà, on est en train de féliciter Steve. Beaucoup d'émotions ici. Vous pouvez le voir, Steve. Qu'est-ce qui t'a donné cette force de remporter cette victoire là aujourd'hui? Ben, c'est un tout. Hein, c'est un tout. Il y a toute ma famille qui me suit. Il y a mon fils qui vient de naître aussi là. Il y a une année, bon, comme j'ai dit, c'est une question de motivation. J'ai déjà gagné toutes ces courses. Et bon, ces derniers temps, je suis arrivé deuxième, troisième, plusieurs années. Bon, je me suis dit qu'il ne fallait plus trop jouer, il fallait essayer de revenir au niveau. Hein. Et quand même tout au long, il fallait tenir au mental aussi. Hein. Ouais, au mental, tu sais, ouais, que derrière, c'est que des taureaux, c'est pas des manchots. Et
Encore une fois, je tiens à remercier le Seigneur. Voilà, comme il dit, comme tous les copains qui gagnent avant moi disent toujours, hein, c'est grâce à lui parce que nous, on peut s'entraîner pour avoir le gâteau, mais c'est lui qui met la cerise. Hein. Donc, c'est bien dit. Merci. C'est bien dit. Merci, Oriano. Et bravo à Steve Teixeira pour cette superbe cerise sur le gâteau, hein, puisqu'il vient de s'imposer. On va demander à Oriano d'aller chercher, bien sûr, notre ami Kevin Serrant, Jérusalemi, qui a terminé à la deuxième place. André, quelle victoire de Steve Teixeira. Quel champion et quelle course. Arourou, mettez le fatou. Arourou, Steve, Arourou. André. À cette course, oui, tu m'entends? Est-ce Vas-y. Que tu m'entends, Olivier? Vas-y. Voilà, ben c'est surtout quelle course, hein, parce que c'était vraiment exceptionnel ce qu'il avait fait, c'est-à-dire mener la course pratiquement de bout en bout et puis, comment dire, réussir à contenir un peu la fougue de Kevin Serrant Jérusalemi qui est venu l'attaquer à plusieurs fois, également eh bien, résister à l'attaque de Ami Damas sur la descente dans la remontée. Franchement, on peut dire que notre champion aujourd'hui, qui est Steve Teixeira, a révélé André, sa grande interview. Forme et surtout son envie pour gagner. À toi Olivier. Allez, Oriano, on est avec toi. Troisième. Voilà, on est avec notre troisième là. Mignon, félicitations encore. Super course. Comment ça s'est passé tout au long de ce combat? Merci d'abord. Ça a été hot pour moi les phases surf. Hein. C'est là où j'ai vraiment perdu du terrain et après je suis revenu à chaque fois dans la remontée. Là, à la fin, gros combat avec le copain Kevin. Hein. Je félicite. Et Steve Boy pour la première place, Team Theory Tao, top. Et voilà, content de ma performance aujourd'hui. Je ne croyais pas trop. Et voilà, je voulais au moins faire un podium aujourd'hui et je suis content. Pas trop difficile quand même à la sortie de ces championnats du monde? Si, hein, ça n'a rien à voir les vitesses et les longues distances. Hein. Donc, il fallait s'adapter, serrer les dents jusqu'à la fin. Hein. Voilà. Marourou, encore à toi. Et félicitations. Peut-être un dernier mot pour toi. Il faut profiter. On est en live pour la Polynésie. Ben, petite pensée à ma tati qui est décédée, hein. La famille, les cousins, le tonton. Et je tiens à remercier mes sponsors et ma famille pour le soutien. Ma maman qui est en Nouvelle-Zélande et mes grands-parents, mon papa qui m'a suivi et mes petites sœurs. Hola hein. Marourou, ciao, thanks. Si. Le message est passé, grosse pensée donc pour ta tante. Merci à toi. Allez, merci Oriano, on t'attend avec Kevin dans un instant pour avoir le complet. Vous le voyez sur cette plage magnifique, l'arrivée des autres Va'a. Ils étaient plus de 500, on va les voir défiler hein, au fur et à mesure. On verra pas forcément tout le monde, mais vous aurez d'ici la fin de soirée ou demain matin le classement complet de tous les rameurs avec les temps, bien sûr, sur le site internet de TNTV. On revient sur cette course exceptionnelle et quel combat Steve Teixeira aujourd'hui. Il a vraiment mené de main de maître sa victoire parce que il a mené de bout en bout et même quand on est revenu sur lui, il a réaccéléré derrière. Très très en forme notre ami Steve Teixeira, grand vainqueur donc cette édition 2018 du Teito, vient en seconde position, le quadruple champion consécutif du Teito, Kevin Serrant Jérusalemi. Et que quelle belle surprise que de voir Manoutia Mignon revenir au tout dernier moment sur la troisième marche du podium. Oui, parce que c'est Tamás Ami hein, qui avait mené cette troisième place, qui avait, on va dire, tenu cette troisième place pendant toute la course. Et Mignon est revenu dans les dernières encablures. Allez, on est avec Oriano. Il a manqué un peu de kilomètres dans les bras. Non, mais Steve a été plus fort aujourd'hui. Hein. Il avait les cartouches qu'il fallait pour gagner. Et je tiens à féliciter Steve. Hein. Ouais, il n'y a pas d'excuses à faire. Il a manqué de kilomètres dans les bras. Et voilà. Avec les 500 mètres qu'on a eu aussi il y a les deux dernières semaines avant le Eito, je suis quand même content de ma deuxième place. Hein. J'étais content, je suis quand même un peu déçu, ouais, hein. Mais c'est la course. Merci Seigneur pour cette deuxième place et félicitations à tous les copains. Merci à tous les supporters, à tous mes sponsors, Marourou TV, net. Tu n'as pas rougi quand même, tu viens de sortir de ces championnats du monde, c'est pas rien. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement à l'arrivée? C'était quoi? C'était un geste de fair play? T'as laissé passer ou bien une vague qui t'a gêné? Ben non, à ce moment-là, j'ai une petite crampe. Hein. Ah. Je ne suis pas caché, j'étais quand même à fond. J'ai essayé de jouer tactiquement. Hein. Mais après, Steve, il avait encore les ressources qu'il fallait pour pousser, pour reprendre l'avance. Et félicitations à Steve, félicitations à Mignon et merci Seigneur encore une fois. Merci, Oriano. Merci encore, Kevin. On va essayer de se diriger vers Tupuria King, notre Maori, pour avoir ses réactions. En attendant, Tupuria, on est avec Tupuria tout de suite. Allez. Comment ça s'est passé cette course? Hey, good course today. You know, made a good start.
Had a little bit of bad luck in the second half. My drink system broke. No more water. And just as I come past, Tahara, I tahuri. And lucky I only lose two place. I managed to get back in and tata and come back to 12th place. But yeah, I'm overall very happy with this race today. Yeah. To everyone back home, this one was for my sister who's battling cancer. And whaitoi tō to all the young fellas that are looking up to do the Te Aito. Yeah, come along, you can do it too. Kia ora. C'était le dernier message de notre néo-zélandais Tupuria King. On va essayer d'avoir d'autres athlètes pour d'autres interviews. Merci, Olivier, difficile ici de se faire une place. On va voir avec mon caméraman Gaston qui n'a pas la tâche facile puisqu'il est relié à un câble. On va essayer de se diriger vers les autres boys. Ouais, en attendant, on va dire, on fait un petit point et puis je voulais juste revenir sur l'honnêteté également de Kevin, hein, qui on ne sait pas ce qui s'était passé, mais il a eu une crampe. Allez, on revient aux interviews. Il faisait chaud quand même aujourd'hui. Mais bon, je suis content, j'ai essayé de m'accrocher à la fin, j'étais à 17e à l'entrée de passe, après j'ai lâché un peu sur le dernier tronçon. Mais il y a du mieux, même si je vieillis un peu, j'ai fait mieux que l'année dernière, donc je suis satisfait de ma place quand même. Je ne me suis pas particulièrement très bien préparé pour ça, mais je suis content quand même. Qu'est-ce que tu penses de la participation de tous ces étrangers à cet événement? Ah, c'est super, c'est super. Je pense que là, ils sont en train de nous foutre un peu des petites baffes. Surtout chez les femmes, là, on a vu les juniors filles, après les seniors, là, ça a été chaud, là. Donc, je pense que c'est à nous à rester bien réveillés, à ne pas dormir, comme on dit, et stay focus et entraîner. On termine avec notre session message. Un petit message à Huahine, je pense que c'est Kevin qui a gagné. J'imagine. À Steve, oh, félicitations à Stevie Boy. Vraiment, franchement, le frangin, il a assuré. Je pensais que Kevin l'a été trop fort, mais félicitations au frangin Steve et au Raromate et à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Merci à vous aussi de retransmettre tout ça en direct. Aïta, Maruta, Tato, Hoyraté, Mahana, Maruta, à toi. Et à propos de mettre à Steve et pas d'autres à mon fait à ton moi. Mais à propos de mettre à ton fait à Raté, à Harimé, Narato et Hamad, à mettre à ton niveau Maruru. Maruta, à ton. Voilà, merci encore. On va peut-être se rapprocher du côté de la plage. Et puis plage, notre ami Manutea Owen, qui avait gagné en 2005, qui avait gagné en 2008, qui avait établi le record également, grand champion, qui félicite, on va dire, ses grand champions. Alors, on est sur cette course, je le disais, hein, juste avant, l'honnêteté du grand champion Kevin, qui disait, quand on l'a vu s'arrêter, ben, il a eu une crampe tout simplement. Il n'a pas réussi à suivre le rythme de Steve. Allez, on retourne tout de suite avec Oriano. Un petit mot. Oriano qui se bat dans l'eau, hein, je vous le dis, hein, c'est la foire d'empoigne pour essayer d'avoir nos rameurs, parce que c'est pas évident. Ils sont dans 1m50 d'eau. Difficile d'avoir des interviews, peut-être avec notre âme, il a un petit... Un petit mot. Allez, on ira une fois que c'est sûr pour les par interviews. Par rapport à cette course, il est très difficile après le championnat là. Pas du tout 30 km. Quoi. Dès le premier tour, j'étais déjà KO. Mais c'est vrai de tenir au moins parmi les 100. Hein. Non, là. C'est vrai de plus s'entraîner pour le super. Hein. Merci encore. Merci beaucoup, Oriano. Un point sur cette course, hein, puisque beaucoup de choses se passent. Vous voyez énormément de monde à la pointe Vénus. C'est la victoire de Steve Teixeau Tahata devant Kevin Serran Jérusalemi et Manu Teyamion. Oui, moi, Tatato Itene, Allez, Oriano, on est avec toi. Allez,
Paya qui avait un petit problème tout à l'heure puisqu'elle avait cassé son balancier. Paya, comment ça s'est passé justement cette course avec ce petit incident? Ça a été dur, ouais, hein. Moi, mentalement, yeah. Lâché. Ouais. Bon, heureusement, ouais, le bateau du collègue, là, elle a été chez un autre diamant hein, pour remplacer. Après, yeah. Fini la course, au moins pour le Super Eto. Mais voilà, arrivé 54, pas grave, au moins c'est arrivé dans les 100. Voilà. Et ouais. Attends, tout pour ramener des fifi, pour arriver à mes diamants, il y a tout pas de moral. On a, yeah. C'est ténèbres ou été tout Super Eto, yeah. Et ma oui, dope. Ah ouais, trajo, ton no poti, Roi, mais, yamo, fao tiro, te hoera, yoro, et tout. Hanere. En tout cas, félicitations encore, puisque tu étais classé parmi les 100. Maruro encore. Tamaitit Hiyo hein, qui a malheureusement cassé son balancier. Il le disait, il va quand même se qualifier pour le Super Eto. On le rappelle, c'est les 100 premiers qui sont qualifiés pour le Super Eto. Alors les 500 rameurs vont continuer à arriver, mais nous on va voir le tableau tout de suite des 5 premiers. Le grand vainqueur du Teito 2018, le voilà, c'est Steve Teicho Tahata en 2h19 et 36 secondes. Juste derrière, nous avons à la deuxième place le quadruple récent vainqueur de l'édition, Kevin Serrant Jérusalemi. Manu Théamillon apparemment a pris la troisième place apparemment me semble-t-il. Ce n'est pas Amidamas, on va rectifier ça sur notre tableau je pense assez rapidement. Et c'est Karl Tarofo qui prend la cinquième place. Donc Steve Teicho Tahata, Kevin Serrant Jérusalemi, Manu Théamillon, Amidamas, vous échangez. Troisième place pour Manu Théa, quatrième pour Damas Ami et Karl Tarofo à la cinquième place. Oh ya mau, ini mau apa par ate, han ini hope ate, ote ini ate itu petito tini hormat aw Steve Teicho Tahata ini tiar amata muahri maye tiar apiti o Kevin Serrant Jérusalemi tiar atoru na Manu Théamillon tiar amha na Damas Ami e harmaye ini tiar apa itu Kyle Tarofo. Voilà, on est toujours sur les arrivées. André, on est également avec toi, avec un premier bilan de ce cru 2018 après les championnats du monde. En tous les cas, le Eto, comme chaque année, a ses lots de surprises. Franchement, bon, voyez quand même un Steve Teicho Tahata pas très à l'aise, surtout au début de cette année et vers la fin de l'année dernière. Et là, il a compris qu'il fallait donc se réveiller un tout petit peu. Il avait envie, voilà, je pense que c'est ça. Il l'a dit lui-même, il avait envie cette année de revenir au plus haut niveau. Il n'a pas réellement gagné de course en début de saison, mais en gagnant celle-là, c'est comme s'il a déjà tout gagné au niveau Vahoué. Parce que je le répète, il y a les championnats du monde marathon depuis l'année dernière, mais vraiment, dans la tête du rameur, dans la tête du Polynésien et de celui qui se trouve à l'extérieur, passionné du Va, le Teito, c'est le championnat du monde marathon. Je te rappelle également, Olivier, qu'il y a plusieurs petits Teito en Australie, en Nouvelle-Calédonie, un peu partout dans le monde, pour sélectionner les meilleurs rameurs étrangers pour qu'ils viennent ici. Il y a même le Teito du Japon qui est en train de se monter avec Charlie et Meitere. Donc en gagnant cette course aujourd'hui, Steve Teicho Tahata a prouvé que cette année en Vaho et Marathon, c'est lui le boss. Alors, promo et diria ta oué au André a tiné tatou ti mo ho wa ti o tu no te faurua i ti o ano a mata vai ti te maruno meira te fia hoe i te tini hoera hui na tatou ia ori ano te fau ia ura e wiwi a parauta ti eito no tatou na tatou ori ano te fau e o Roland Terry. Roland, ça a été une superbe course. Là. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu ton analyse? Ouais, c'est une super course dure et mais top en même temps. Ouais. Là. Oui, il y avait du monde. Là. Je me suis consacré, moi, personnellement, que pour les championnats du monde. Hein. C'est deux dernières semaines. Je n'ai pas tourné. Je suis satisfait de ma course. Je pense que c'est le centième. Et bon, je suis satisfait. Il ne faut pas dormir. Il y a le niveau. Et puis, voilà, là, je suis satisfait. Belle ambiance.
On sort du championnat du monde, il faut réadapter le coup, c'est un marathon, on le sait, c'est autre chose que la vitesse. Exact, exact. Aujourd'hui, je suis juste venu pour essayer de me qualifier et puis pour préparer au mieux le super étau dans un mois. Mais je pense être qualifié, je suis satisfait en tout cas. Hein. Je suis hyper satisfait. Puis, fait deux semaines que je n'ai pas tourné en V1, donc pour moi, je suis hyper heureux de ma performance d'aujourd'hui. Aïda, on a marre de mettre des choses dans tes mains. Paris, des choses, petit choses, mais Paris. Mahi bari do hoy hardi drama hane re mata mu ad maru me demo hoy ho te ta pa me de ate te mura pe ya nora pa au do maru me de te asharle ra ho ton ho atu mu ora te hoera ora pa ari ad vai ra we hai ni do hano ti bere do maru orian merci 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 pour tes réactions super. Maruru Roland ano te faham nora i tatu e na haneri fia hoe io i fauti te ine ia hoe ati e to e o atu e rato i te super e to e a prohia e tupu i te piti hau mape no te ati te i mua i tatu ti e to e o vai na haneri e to e o atu e to i te ine ia hoe a super e to. Allez, avant de rejoindre Ingrid, on fait un point sur le tableau, puisqu'on a rectifié, on a vérifié bien sûr les informations. Et regardez, le top 5, c'est bien Steve Teixeira qui remporte le Teito 2018 en 2h19 et 36 secondes, 30 secondes derrière Kevin Serrant. Jérusalemi termine à la deuxième place. Manu Théamillon complète le podium à la troisième place. Damas Ami lui prend la quatrième place. Et c'est bien Kyle Tarofo qui prend la cinquième place. Vous avez votre top 5 du Teito 2018. Oi ama Olivier, hoi mea tātou in eit e an eit a hope out in e hoi a te eit o piti tau tini ahur maap au. Au Steve te hiot ata te upoti a mai muano mai a Kevin Serrant, Jerusalemi ti ara apiti ti ara toru na manu te a miyan e ti ara maha te eit o ami Damas, Damas ami e ti ara pa na te eit o no tautira o Kyle Tarofou. Ingrid est toujours avec nous sur le plan d'eau, sur cette arrivée de la pointe Vénus où de nombreux va continuent d'arriver. Alors vu du ciel comme ça, ça fait des petits mikados de couleurs, c'est très très joli, mais disons que c'est voilà un petit peu compliqué pour les arrivées, Ingrid. Oui, un petit peu compliqué, mais maintenant ils ont l'habitude. Et puis il faut féliciter le comité organisateur emmené par Charlie Meiteré qui a été assez seul sur cette organisation, on va le dire, puisque le comité organisateur des championnats du monde était pris avec sa propre organisation. En tous les cas, félicitations au Teito Event. Cette 31e édition a été tout simplement magnifique avec les îles qui ont brillé, puisqu'on sait que chez les juniors, ce sont des jeunes des Raromatei qui se sont classés sur les deux premières marches du podium. Chez les enfants également, il y avait des enfants des Marquises qui se sont imposés, et aujourd'hui encore ce sont des enfants des Raromatei qui ont pris les deux premières places du podium. Donc voilà, la relève c'est certainement du côté des îles qu'il faut aller la chercher. En tous les cas, félicitations à tout le monde. Comme le disait Davidson, les 100 premiers de cette course seront qualifiés automatiquement pour le Super Eto. Aujourd'hui on avait 28 km et c'est plus d'une trentaine de kilomètres qui attendent donc les 100 sélectionnés. En tout cas, je leur souhaite bon courage, et certainement que nous aurons beaucoup de surprises comme nous l'a réservé l'année dernière RTF. Donc des champions à surveiller qui s'entraîneront chacun de leur côté avec leur petite technique, leur petit secret. Voilà, donc allez, je vous laisse donc avec cette petite analyse. Merci Ingrid, et on rejoint Oriano pour l'une des dernières interviews de la journée. On va rejoindre Rapanui, la Rapanui qui lève fièrement le bras, il l'a fait, il a fini ce parcours. Un petit message pour Rapanui. Pour Super Aito Rapanui. Yolanda Korua. Rapanui. Ok, merci, il est timide, il est timide devant la caméra, mais je peux vous dire, c'est un vrai lion sur le plan d'eau. On va essayer d'avoir les autres de Rapanui. C'est une interview assez courte, hein, comment ça s'est passé cette compétition. Mais voilà, il s'est exprimé tout à l'heure. Allez, on l'écoute. Je ne sais pas combien il est arrivé, mais très fort. Un autre point. Préparé pour les prochaines manières. Félicitations pour les Aito Steve qui gagnaient Kevin. C'était ta première fois, first time here? Non, troisième. Troisième? Ouais. T'es Aito très dur, very strong this race? Bon, pas très dur, mais c'est difficile. C'est
Ouais, parce que tout le monde, entraînement, Paris, la rame. Bon, il y aura un qui nous a tâté la penouille. Maruru, super message de nos amis Pascon. Ah, super. Voilà, on va bientôt en terminer. Un dernier mot avec un petit tour de table, hein, comme on dit, avec notre ami André pour le mot de la fin. André, pour cette édition 2018 remportée et de main de maître par Steve Teixeira, ça a été lui le plus fort lors de cette 31e édition, André. En effet, donc il l'a prouvé, on l'a filmé, on l'a commenté, on a analysé tout ça en direct sur Tahiti Nui Télévision. Donc moi je dis bravo Steve, bravo Kevin, bravo bien sûr Manu Teamio, c'est le trio de tête, bravo à tous les Aïto. Tous ceux qui ont participé, ils sont au total 1200 pour les deux premières journées, en rajoutant même le Taito des entreprises demain avec 300 autres rameurs, ça fait 1500 au total Aïto cette année. On va dire que cet événement commence à grandir de plus en plus. Et pour nous, donc au niveau des directs après les championnats du monde, j'aimerais bien m'adresser à la Polynésie. Vraiment, on a fait tout ça pour vous, pour nous. C'est bien aussi quand ça s'arrête. On aime le A, on aime même au cœur du combat. Il y a quand même ce neck-to-neck également au niveau des chaînes de télévision pour avoir les meilleurs plans pour vous. On a fait tout ça pour la Polynésie parce qu'on sait également qu'à travers ce signal audio qui va vers vos télévisions, eh bien ce signal va aussi dans le monde. Cela sert de promotion. Cela sert de promotion pour notre Fenua par rapport à la Piro, par rapport au VA. Cela doit attirer également les étrangers pour venir lancer notre économie, notre tourisme. Voilà le travail en fait de Tahiti Nui Télévision. Nous, on a été fiers d'être au cœur de ce combat et de vous donner eh bien, les plus proches, les meilleures en fait informations aux plus proches du combat. Maruru Maitei, pour nous, on se retrouve demain pour tous les passionnés du VA. Ce ne sera pas en direct peut-être l'année prochaine pour le Taito des entreprises. On remercie également Tahiti Fly Shoot, là, Mike. Mike est devant, il est là, c'est lui avec Yannick, il y a également le pilote Thomas qui ont assuré Tahiti Fly Shoot, donc les images de drone. Maruru Mema, je sais qu'on voit beaucoup Vohi, mais derrière il y a tout ça, il y a aussi eh bien, notre ami Nari Tokorangi qui vous fait coucou derrière sa caméra. Maruru Nari, Maruru Ingrid, Maruru David, Maruru Olive, Maruru Mirakion et toute ton équipe. A plus. Merci André, on fait un petit tour du côté du bateau d'Ingrid également, Maruru Ingrid. Oui, merci beaucoup Olivier, à toute l'équipe bien sûr qui nous a soutenus sur ce Taito 31e édition. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal avec ce 31e édition. Donc voilà, je voudrais surtout féliciter tous ces rameurs qui ont avalé ces 28 km. Et ce n'est pas terminé, mais en tous les cas, après les championnats du monde de vitesse, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils pourront principalement se concentrer sur la vitesse, sur la longue distance pardon, et accumuler donc les kilomètres. Donc les 100 premiers seront sélectionnés pour participer au Super Eto. Et là, je pense qu'il y aura du beau combat et surtout une belle revanche. Merci Ingrid. Et puis je tenais vraiment à te remercier Ingrid pour cette première expérience sur le bateau. C'est vrai qu'on a fait un mercato, on a switché entre le dernier avec Inouï, on a récupéré Davidson au poste com pour vous apporter également du tahitien. Voilà, et on a retrouvé Ingrid sur le bateau. Ingrid, un grand merci pour tous tes commentaires avisés. Et puis on espère te retrouver avec nous également pour le Avec Inouï. C'était un vrai plaisir. On va retrouver également notre ami Oriano pour un dernier petit mot, Oriano. Ouais, c'était sportif là, les interviews, Olivier. En tout cas, merci à vous, merci à mon caméraman Gaston. Ça n'a pas été facile avec son câble rattaché. On devait jongler entre les bas. En tout cas, merci à vous, merci à tout le monde, merci aux bénévoles, merci à l'équipe de TNTV. On se donne rendez-vous pour un prochain événement. Ouais, merci beaucoup, Oriano. Et puis on voit que Oriano, il est waterproof. Hein. Il avait de l'eau jusque-là. C'est parti. Voilà, un grand merci bien sûr au Taito Events, à l'OPT pour son soutien technique. À toutes les équipes de TNTV, et puis surtout à vous qui nous avez suivis, vous étiez des milliers à l'antenne de TNTV, et puis vous étiez quasiment plus de 800 sur les réseaux sociaux avec Facebook et également YouTube. Donc un grand merci de nous avoir suivis en Polynésie et ailleurs dans différents pays. Voilà, c'était un réel plaisir. Un grand merci, Davidson. Maruru, Maruru, Maruru.
à tous. Je ne veux pas oublier qui que ce soit. Maruru à toutes et à tous. Et surtout à vous, public, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, je ne sais pas. Mais on va se retrouver encore en direct, bien évidemment, sur Tahiti Nuit Télévision. Prochain rendez-vous, ça sera du surf sur Tahiti Nuit Télévision avec les trials. Et puis, il y aura la Tiopo Pro. Ça sera sur Tahiti Nuit Télévision, l'épreuve des championnats du monde. On espère retrouver notre champion du côté des vagues de Tiopo, Michel Bourrez, sur Tahiti Nuit Télévision. Ça sera le prochain grand rendez-vous, grand événement de sport sur TNT TV. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée sur notre antenne et on vous dit à bientôt. Ciao, nana. Aroulou.